Je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu te lèves un matin, tu me demandes de m'occuper d'un enfant dont je n'en sais rien. Pour qui me prends-tu? Est-ce parce que je suis restée calme quand tu es enceinte de cette femme? C'est ça? Tu veux dire, donc? Quoi? Ouh! Donc tu l'as déjà envoyée chez moi? Sans toutefois en discuter avec moi? Écoute, je veux juste que tu... Allô? Allô? Ah ah! Maman! Hey! Maman! Hey! C'est toi ici! C'est toi sur cette photo! Hey! Oh, Malishane! Regarde comme t'es belle! T'es toute rayonnante! Franchement, mon père a bon goût! T'es plus belle que ma mère! Oh. Ma mère ne t'atteint pas! À la cheville! Hey! Ma belle-mère! Regarde-la! Elle est belle! Elle a des formes! Elle a un beau teint! Toute charmante! Maman! T'es pas photogénique du tout! T'es pas du tout photogénique! T'es belle physique! Comment comme t'es là? Hey! Maman, que se passe-t-il? Qui est-ce? Plus tard. C'est à toi qu'il parle. Maman, s'il te plaît, te fâche pas, oh. Peux-tu m'emprunter 150 pour me donner? Tu n'as pas 150? Ah. Eberi, s'il te plaît, fouille mon porte-monnaie, apporte 150 et donne-les au chauffeur, s'il te plaît. Ok. Fais descendre tes affaires. Ok, je vais les chercher. S'il te plaît, donne-les au chauffeur. Merci. Merci. Maman, t'es si jeune et belle. Assieds-toi, non? Assieds-toi. Assieds-toi, maman. Belle femme. Hey, t'es si belle. S'il te plaît, aide-moi à faire entrer ma valise. Maman, t'es belle. Hey, t'es si belle. S'il te plaît, fais entrer ses affaires. Merci.
Ton père l'a envoyé ici parce que la personne à qui il a vendu sa maison en ville menace de le faire arrêter si jamais il ne sort pas immédiatement de la maison. Et selon lui, il n'a pas d'argent pour s'occuper d'elle. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas ramenée chez sa mère? Pourquoi ici? Celle-là, elle est partie à la seconde même où son argent est fini. Ton père dit qu'il n'a même pas de ses nouvelles. Ah! Oui. Je le savais. Je savais qu'on allait en arriver là. Quand ton père était occupé à gaspiller son argent sur elle. Je le savais. Le plus drôle, c'est que ton père n'a même pas attendu que je dise oui ou non. La minute d'après, la fille est ici. Papa est vraiment sans cœur. Après nous avoir laissés dans cette misérable maison pour souffrir, il a encore eu le culot d'envoyer la fille d'une autre femme ici. Papa est vraiment méchant. Maman, s'il te plaît, renvoie-la d'où elle sort. Nous n'en avons pas assez. Regarde comment on se nourrit. Elle doit partir. Nous sommes incapables de prendre soin de nous, encore moins une autre personne. Hein? J'aurais bien aimé. Honnêtement, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas le choix. Après tout, c'est sa mère qui m'a fait du mal. La petite est innocente. Et à voir les choses, je pense qu'elle n'a nulle part autre où aller. Parfois, je me demande pourquoi tu tolères tout ce que fait papa. J'espère que tu prends la bonne décision. Tout ce qu'il fait, tu tolères absolument tout. C'est pas bien. Ma fille, ton père n'était pas comme ça. Oui, ton père était l'homme le plus bon que je n'ai jamais rencontré de toute ma vie. Il m'aimait tellement. Il vénérait le sol sur lequel je marchais. Mais soudainement, tout a changé. Le moment où il a gagné de l'argent, il est devenu une personne totalement différente. Quoi qu'il en soit, s'il te plaît, dépêche-toi afin d'aller vendre au carrefour. Oublions ça pour l'instant, ok? Donc, allons-nous la laisser seule ici? Je ne sais pas. Allez, dépêche-toi. J'espère que tu pourras vendre, hein? Regarde l'heure. Par la grâce de Dieu, ça va le faire, j'ai la foi. Passer ces gens, hein? Où est passé Béré? Y a pas d'eau dans cette maison, pas de nourriture. Donc, c'est comme ça que ces gens sont sans cœur? Hein? Ils m'ont fait venir dans ce village alors qu'il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Donc, c'est comme ça que ma vie se termine? Ah, peut-être qu'il y a de l'eau là-bas. Hey! Hein? Ils savaient bien que je suis nouvelle dans ce village. Qui vais-je appeler maintenant? Où vais-je aller? Chez qui vais-je entrer? Hein? Non, ces gens sont très méchants. Vraiment très méchant. Dans quel trou es-tu venue tomber, Rosa? Hey! Rosa! Elles savent pourtant que je suis nouvelle dans ce village. Je ne connais nulle part. Où vais-je aller maintenant? Everybody knows Rosa, Rosa, Rosa. Oh my God, Rosa, she say good for nothing, girl. Everybody knows. Hey, hey, hey. Eh Béré, comment ça va? Tu dormais quand on quittait la maison, alors on devait y aller. Je t'ai apporté à manger. Ah, tu m'as apporté à manger? Ah ah! Moi qui disais que vous êtes de mauvaises personnes. Mais quelque chose me dit que vous avez la crainte des dieux. Et maintenant, je commence à y voir clair. Merci, hein? Je meurs de faim. Allez, assieds-toi. Hey, merci, oh. Ça sent bon. Alors, Rosa, comment va notre père? Ça veut dire quoi, notre père? Attends, c'est au singulier ou au pluriel? Notre quoi? Avec qui t'as un père? Pardon, je n'ai pas de papa, oh. Mon papa est mort il y a de cela très très longtemps. Je n'ai pas de papa. Si on faisait appel au père, celui-là oserait-il se présenter? Hein? En fait, où qu'il soit, que Dieu le frappe, il ne connaîtra jamais le bonheur dans sa vie. Puisqu'il m'a mené ici pour souffrir, il ne connaîtra que le malheur dans sa vie. C'est bon, c'est bon.
Pas de problème, je dois retourner au carrefour. Ebere, s'il te plaît, je veux venir avec toi. Non, non, il faut manger. Je sais que t'as faim, je vais partir. T'inquiète, je n'ai plus vraiment faim. Laisse-moi m'habiller et venir avec toi. Je ne mettrai pas long. Mais tu es bien comme ça. Que Dieu m'en garde. Moi comme ça. Rosa, alias la petite bombe. Pitié, ne dis plus jamais ça. Ne jamais être vu mal habillée. Je vais me changer de suite. Hein. Qui sait, je vais rencontrer mon âme. Sœur, t'inquiète. Rosa, Rosa, Rosa. Oh, Maka Rosa, she's a good for nothing girl. Everybody knows Rosa, Rosa, hey, Rosa. Oh, Maka Rosa, she's a good for nothing girl. Everybody knows. Hey, 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 hey. Abacha sana koma inoy. Abacha gua. Ces oranges sont très bonnes. Qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur? Rajoutez-en, j'en veux davantage. Je sais, nos oranges sont les meilleures dans ce village. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs. Hein? Rosa, prends un couteau et aide-moi à épeler quelques oranges pour ce monsieur pour que ça aille vite, s'il te plaît. Comment je t'appelle? Je ne suis pas venue pour que tu me donnes des ordres. Je suis sortie de cette maison à cause de l'ennui. Quand suis-je arrivée pour que tu me donnes des ordres? En tant que qui? Ta domestique ou ta serveuse? Je t'en prie, je ne sais pas peler des oranges. Ma mère ne m'a pas pris cela. J'ai tout pelé quelques oranges. Quelques oranges. S'asseoir. Lève-toi pour qu'il s'asseye. Lève-toi. Debout. Qu'est-ce qui te prend? T'es folle? Tu es cinglée? Tu es folle. Tu es malade. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça suffit. Né, Dieu merci, je vous ai vu. Votre fille est bérée et en train de se battre là-bas en plein carrefour avec une fille. Ce n'est pas une petite bagarre, oh. Ma fille est bérée? Oui. Bagarre? Oui, madame. Allez voir de vos propres yeux. Ce n'est pas une petite bagarre, oh. Les filles-là veulent se tuer là-bas. Ça va, j'arrive là-bas. Allez-y vite, s'il vous plaît, allez-y. Oh, Seigneur. Ah. Depuis quand bagarrez-vous dans la rue? Répondez-moi. C'est quoi ces bêtises? Je vous ai envoyé vendre. Et vous avez abandonné les oranges pour vous mettre à lutter. Hein? C'est de sa faute, maman. Tais-toi. Ne m'explique rien. C'est elle et puis? Était obligée de faire pareil? Et toi, pourquoi l'as-tu giflé? Ok. Maman. Ebere m'a insultée. Ebere a dit que je manque de formation domestique. Elle a aussi dit que je suis une bonne à rien. Parce que je ne sais pas peler des oranges. Menteuse, mais elle ment, maman. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ok, je lui ai demandé de se lever pour qu'un client puisse s'asseoir. Elle a refusé, j'ai essayé de la lever, puis elle m'a donné qu'est-ce une bonne claque. Qu'est-ce que tu mens, hein? Ferme-la. Écoute-moi très bien, si tu continues avec ces mensonges, je vais te faire manger cette terre. Allez bien, non? Taisez-vous. Arrêtez-moi ces bêtises. Arrêtez-moi ces bêtises. Eh ouais. En ma présence, vous voulez continuer avec le deuxième round? Ebere. Maman. Rosa. La vieille. Ok, comme vous avez fini de vous battre et que vous n'avez pas vendu d'orange, c'est ça? Qu'allons-nous manger? Dites-moi, qu'allons-nous manger? Je suis désolée, maman. Hey, garde tes excuses. Garde tes excuses. Ne me dis pas que tu es désolée. Elle t'a giflé, tu lui as rendu. Juste pour nuire. Hein? Maintenant, écoutez-moi toutes les deux. Que ce soit la première et la dernière fois que vous vous battez dans cette maison. C'est compris? Qu'est-ce qui vous a pris? Hein? T'es-je éduquée de la sorte? Maintenant, tu bagarres, n'est-ce pas? Écoute, Rosa. Fais attention. Mais la vieille, c'est elle qui a dit que tais-toi quand je te parle. La ferme! La ferme! N'importe quoi. Hors de ma vue. Merci, maman.
Que vais-je faire maintenant? Cette fille est arrivée juste hier. Et la lutte a déjà commencé. Vais-je m'en sortir? J'appelle mon mari depuis hier. Il prend pas mes appels. Hey, mon Dieu! J'espère m'en sortir. Ah, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Maniez-vous, ah! Ah, ah, Dike, quoi de neuf? Et cette meuf? Cette fille que tu as rencontrée depuis des semaines déjà, où en êtes-vous? Ce machin, cet oubeke, cette petite idiote. Ah, est-ce que tu sais que cette fille a eu l'audace, elle a eu le culot de me dénoncer à sa mère? Ah, comment ça? Sa mère est venue ici, elle a fait une scène pour me demander de laisser sa fille tranquille. Moi, Dike, Dike, un étudiant en ingénierie électronique, Dike Moumoua, que je laisse sa fille tranquille. Une femme que je veux aider. Je veux aider cette femme, la soutenir. Je veux changer la vie de cette femme. Tu te rends compte? Allez, oublie cette fille, mec. Écoute, Dike, ça n'a vraiment pas de sens. Si cette fille savait qui tu étais dans ce village, même pas seulement qui tu es, mais qui est ton oncle, elle allait juste se ressaisir et s'évanouir. Il n'est même pas question de mon oncle, mais de qui je suis. Le seul homme vraiment éduqué de ce village. Est-ce que tu sais ce que je veux apporter dans ce village? Je veux apporter ce qu'on appelle une électronique, une radio. Je ne connais pas quelle radio, mais je vais apporter un truc dans ce village. Vérité. Tu sais ce que je vais apporter? C'est vrai. Tu te rends compte? Il est question de qui je suis. Il ne s'agit pas de mon oncle actuellement, nous parlons de moi. Frangin, c'est ton oncle qui a fait de toi un grand type dans ce village. Donc nous savons tous les deux de quoi il s'agit. Ça veut dire quoi? Mon oncle m'a rendu grand dans ce village. Où est ta part d'oncle? Mec, regardons le match. Ta part d'oncle, où est-il passé? Elle est censée te connaître. Oh, allez, laisse ça, mon frère. Regardons le match. Tu dis que c'est la fortune de mon oncle. C'est la fortune de ton oncle. Tu me convisionnes, est-ce que t'as une télé chez toi? Mec, tu viens visionner chez moi tout le temps. Que je ne t'insulte pas. Viens chez moi, je vais te montrer. Tu vas voir. Allez, souris. Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, je vais t'apprendre des choses. Je vais t'introduire sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram, WhatsApp, Twitter et tout ça. Coucou les amis, je suis dans mon village, je vous présente ma sœur. Fais coucou à la caméra. Oh, quelle timide, ma petite. En tout cas, j'espère que vous aimez mon village. Hey. Tante Béré. Hey. Amara, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Salut! Salut. Tante Béré, qui est cette tante avec qui je te vois? C'est ma jeune sœur. Elle était avec mon père depuis 7 ans. Waouh, vous êtes si jolie. Oh, vraiment? Oui. Merci, ma chérie. J'aime vos cheveux. Oh, ça? Oui. Merci. Tante Béré, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Rosabelle, mais tu peux l'appeler Rosa pour copier. Alias la petite bombe. Waouh. Mais Tante Béré, je dois y aller maintenant. Ma mère m'a envoyé faire une course. Pas de problème. Bye. Bye, ma puce. Bye. Quel enfant respectueux. T'as entendu ça? Elle a dit que je suis jolie. Salut les amis, je viens d'arriver dans mon village. Je suis jolie. Viens encore faire un coucou. Je t'ai demandé de laisser ces assiettes. Le soleil est brut. Ah, on le fera plus tard. Je me demande pourquoi tu te stresses et quand je viens chez toi, tu ne me laisses jamais t'aider. Béré, mon ami, je ne veux pas te déranger. C'est pour ça que je le fais. Garde sa bouche, je ne veux pas te déranger. J'espère qu'on épargnera assez d'argent cette année pour que je puisse commencer le jump. Je veux vraiment aller à l'école. Bien sûr. J'ai marre de rester à la maison, c'est vraiment bizarre. Ma chère, ne t'inquiète pas. Dieu pourvoira. Amen. Amen. Où est ta sœur? Rosa, cette fille est partout dans ce village. Il n'y a aucun endroit qu'elle ne connaît pas. Je me demande comment elle connaît tous les coins de ce village, plus que n'importe qui.
Cette fille, j'ignore pourquoi je ne l'aime pas. Elle a un très mauvais caractère. Je ne l'aime pas. Oui, et le plus drôle, c'est qu'elle ne dit rien de bon avec ce sale caractère. Ma sœur est vraiment compliquée. Aujourd'hui, elle est gentille. Demain, elle est grossière et méchante, comme une sorcière. Mais tu sais, je pense qu'elle est quelqu'un de bien. Je pense que sa mère l'a juste trop gâtée. Et c'est pour ça, si tu veux mon avis... Vraiment? Oui. Avec ce très sale comportement? Ha! Ma chérie, elle doit changer haut. Sinon, le village entier va se mettre à l'éviter. Assez parlé de ma sœur. Mais quand on va nous faire la formation du charm, nous devons commencer à nous préparer. En fait, je ne sais pas comment vais-je convaincre maman d'arrêter de vendre les oranges pour un temps afin de me concentrer. Je ne veux pas courir après ci, après ça, vendre des oranges ensuite rentrer et puis la fatigue et tout. Même quand c'est à base de ça qu'on se nourrit. Je ne sais pas comment le lui dire. Mais je pense que tu devrais lui dire et écouter ce qu'elle a à dire. Vraiment? Je vais ici. Va me chercher de l'eau. Va chercher de l'eau. Va chercher de l'eau. La vieille, lâche-moi haut. La vieille. Viens là. La vieille, lâche-moi haut. Viens. Lâche-moi. Viens là. La vieille, tu vas tomber haut. Tu vas tomber. Rosa, tu veux me mettre la honte, n'est-ce pas? Viens là maintenant. La vieille, tu vas tomber. Je n'ai pas d'argent pour te soigner si tu tombes haut. Tu vas tomber haut. Ha! Regarde-toi. Hein? Tu veux devenir la prostituée du village? En allant d'un homme à un autre? Tu vois cette prostitution? Cet esprit de prostitution? Hein? Pas chez moi. Tu vas l'amener ailleurs. La vieille, reviens là. La vieille, Rosa. Rosa, reviens là. La vieille, lâche-moi haut. Reviens là. Lâche-moi, la vieille. La vieille, tu vas tomber haut. Rosa, reviens là. La vieille, tu vas... C'est à toi que je m'adresse. Hein? Maman. Toi. Pourquoi, maman, on te court après? C'est maman qui veut s'exercer. Ok, demande-lui pourquoi elle est après moi. Demande-lui. Elle est devenue une prostituée. Hein? Allant d'un homme à un autre. D'un garçon à un autre. Hein? Toi. Obegini, mon ami, m'a dit aujourd'hui qu'elle a vu Rosa. Sortir de la brousse avec ce Ikena. Ikena? Le grand bandit. Rosa, de tous ces hommes, tu as choisi Ikena? Hein? Regarde-la, habillée à moitié nue. Veux-tu donner de l'hypertension à maman? Tu veux la tuer? Écoute, en ce qui me concerne, c'est la seule famille qui me reste. Papa nous habillée à moitié nue. Regarde-la, regarde-la. Non, laisse-moi, aborde-toi. Donne-moi la paix. Aborde-toi. Maman, laisse-la. Si tu viens, ne change pas. Attends. Ébéré, ou peu importe comment tu t'appelles, n'ose plus jamais me dire ces conneries. N'ose plus jamais le faire. Qui es-tu pour me parler? Tu me mets en garde, moi, Rosa. T'es cinglée? Ou t'as fumé du chanvre? N'ose plus jamais, oh. N'ose plus jamais avec ces conneries, sinon je vais te casser. C'est quoi ça? C'est la faute de mon incapable de père. Si c'était pas grâce à lui, t'aurais eu le courage de me parler? Ouvrir cette sale bouche? J'ai promis à maman que je ne lutterai plus jamais avec toi. Mais si tu franchis la ligne, je vais te battre comme un plâtre et tu verras. Vas-y, non? Vas-y, je vais te coller des blessures sur tout le corps. Je vais t'écraser tout de suite. Maman, allons-y. Bonne à rien. Maman, laisse-la et allons-y. Regarde-la avec ses cheveux jaunes, habillée à moitié nue. Avec ses cheveux. On dirait qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Cette fille veut que tout le village se mette à raconter des bêtises. Hein? Elle veut qu'il se mette à dire que parce que ce n'est pas ma fille que je la laisse égarer. Hein? Maman, laisse-la, allons-y. Rien. Maman, allons-y. Maman, laisse-la. Laisse-la, s'il te plaît. Okwagi, toi. Regarde-toi. Si jamais tu essaies encore ces bêtises, je vais te refaire le portrait. Je vais te donner une bonne raclée. Tu es malade. Espèce d'idiote. Si j'étais en ville, tu aurais pu me parler de la sorte. Sale villageoise. Fiche-moi le camp. Hey, Rosa, quelle misère. Cette éperée ose me parler. Elle ose me gronder. Hey. Pas de souci. Je vais voir ce type. Ok, il n'y a pas de problème.
good for nothing, girl. Everybody knows. Hey, hey, hey. About just a knock on my door. About to go on a look. Hey, Rosa, if any miss a lesson. No, I put if any. Not so he be, not so he be. Oh, oh, Rosa, hey, Rosa. Monsieur, venez acheter vos oranges, elles sont très sucrées, c'est moins cher. C'est combien? 3 à 200, monsieur. Hein? 3 quoi? 200 naira, monsieur, elles sont très bonnes. Monsieur, venez goûter. Hey. Rosa? Pourquoi cette mine? Que s'est-il passé? Pourquoi ton visage est comme ça? Rosa, slow down, ma coachie, why happy, melon. Rosa, hey, Rosa, Rosa, oh my car, Rosa, Rosa, she say good for nothing. Amuche. Nai. Je ne peux pas du tout acheter ces ignames à plus de 6000 naira. Je n'ai pas d'argent. Et 700 que tu me demandes, je ne l'ai pas. Tu sais, je le fais juste parce que c'est la famille. Et si c'était quelqu'un d'autre, ça devrait être moins que ça. Nai, je sais que tu as essayé. Mais regarde bien ces ignames. Je les vois. Est-ce qu'elles ne sont pas de toutes petites ignames? Au marché, une de ces ignames coûte 6000 naira. Mais puisque tu achètes en grande quantité, c'est pour ça que je te les vends à 12000 naira. Regarde ces ignames, nombre de tubercules que j'ai là. Amuche, que veux-tu que j'ajoute encore? Hein? Ok, c'est d'accord. Si la somme ne te convient pas, tu peux les ramener. Parce que là, okay, maintenant, okay, je dois sortir. Ok, s'il te plaît, donne-moi 10 000 naira. Je ne te donnerai pas au-delà de 6 000 naira. Et alors, tu es d'accord ou pas? 6 000 naira? Redouane-moi avec nous. Hein? Regarde bien ces ignames. Elles sont ok, écoute, roses. Tu vois, regarde. Tu peux les ramener. Hein? Ok, je dois partir maintenant. J'ai une réunion tout à l'heure. Ok, écoute, je sais que tu veux m'encourager, mais c'est juste que 6000 naira. Hey! Amuche, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour cette prédication. Ok, c'est d'accord. Tu peux. C'est d'accord. Prends-les à 6000. Donne-moi une seconde. C'est de la pure méchanceté. De la pure méchanceté. Honnêtement. Monsieur, venez prendre vos oranges. Elles sont très sucrées. Vraiment très juteuses. Et combien ça coûte? 3 à 200 naira, monsieur. Quoi? 3 à 200? Oui, elles sont sucrées, je vous assure. Elles sont trop chères. C'est bon, je vais en prendre. Merci. Merci, c'est gentil. Merci. Merci, monsieur. Au revoir. Bye. Rosa, tu ne fais aucun effort pour vendre ou pour appeler les clients. Est-ce ainsi que tu voudrais qu'on finisse ces oranges? Qu'allons-nous dire à maman si on ne vend pas tout ça? Hein? Rosa, pitié, mets-toi de tes affaires. Désolée. Désolée, votre majesté. Désolée. Désolée pour toi-même.
Tu peux aussi finir toutes les oranges parce que depuis que tu es là, tu ne fais que les sucer. Ah, tu ne vends rien, mais tu les suces. Écoute, pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas le genre d'amour que j'ai pour toi. Si tu savais le genre d'amour que j'ai pour toi, tu sauterais de joie. Je te dis, le genre d'amour que j'ai pour toi, c'est le genre qu'on appelle amour infini. Amour indestructible. Cet amour ne peut être détruit et il ne finira jamais. C'est compris? Laisse-moi te poser une question. Est-ce qu'un mec de l'université t'a déjà dragué? Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous des illettrés. Regarde-moi. Un étudiant en ingénierie électronique. Le grand ingénieur de la radio veut sortir avec toi, juste pour rien. Laisse-moi te dire, il y avait des meufs qui apportaient à manger chez moi. Et puis, l'autre jour, une m'a apporté à manger et elle disait qu'elle savait que j'avais faim, qu'elle voulait m'apporter à manger. Pourquoi? Parce qu'elle veut que je les aime. Elle veut que je les aime. Et j'ai dit non, mon amour n'est pas à vendre. J'aime avec le cœur. Est-ce que tu comprends? T'es la seule que j'aime dans ce village. Je suis contente. Tu sais, mes amis sont très jalouses parce qu'on se fréquente. Oh, médiqué. J'espère juste que... Écoute, n'espère rien, laisse-moi te dire un truc. Elles sont jalouses parce que elles voudraient que je les aime. Mais je ne peux pas les aimer. Parce que mon cœur ne bat pas pour elles. Mon cœur bat plutôt pour toi toute seule. Tu es la seule que j'aime, je ne triche pas. Ok? Mais c'est juste de... Mais je n'aime pas ta façon de m'appeler à chaque fois, Dike. Pourquoi ne me trouves-tu pas un petit nom? Trouve-moi des petits noms qui vont toucher mon cœur. Hein? Ma pomme. Ma pomme? Ça veut dire quoi, ma pomme? Essaye autre chose. Des petits noms. Il y a beaucoup de... Mon cœur. Ton cœur. Tu vois, juste parce que tu m'as appelé comme ça, ça m'a fait un truc. Hein? C'est ce genre de nom que tu dois me donner. Appelle-moi mon cœur, mon amour, mon chéri. La prunelle de mes yeux. Allez, appelle-moi de la sorte. Hein? Ok, allez, embrasse-moi maintenant. Dike. Ça, c'est un endroit public, non? Veux-tu que les amis de mon père m'attrapent ici et aillent le dire à mon père? Mais personne ne nous voit, il n'y a personne. Ils sont tous allés au champ, hein? Ils sont au champ en train de cultiver. Allez, embrasse-moi, ne t'en fais pas, hein? Embrasse-moi. Allez, embrasse-moi. Hein? Bye-bye. Mbeke. Regardez-la, regardez comment elle s'en va. Hein? Villageoise. N'importe quoi. Dike, te souviens-tu de Nkem? Nkem, non? Nkem, notre ami! Le fils du fameux cueilleur de vin de ce village. Oui. Si tu vois Nkem, ouais. Nkem est maintenant un grand type. Tu es sérieux? Écoute, je n'arrivais pas à croire mes yeux lorsque je l'ai vu hier matin. Si tu voyais la voiture de Nkem, ha! Tu allais t'évanouir. Tu sais, dans ce village, toi et moi, nous sommes juste des paresseux. On passe notre temps à boire et poursuivre les femmes n'importe comment. Tu sais, ça fait juste un an qu'il a quitté ce village. Et maintenant, c'est un grand homme. Si tu voyais Nkem, nous allons tous les deux arrêter de venir boire ici et de courir derrière les femmes n'importe comment. Femmes n'importe comment. Nous irons nous battre! Oublie ça, mec. Allez, oublie ça. Oublie ça, je suis aussi un grand homme. Je suis un grand homme à venir. Allez, oublie ça, qu'est-ce que tu racontes? Si seulement mon oncle ne voulait pas que je gradue avant de me nommer directeur de sa compagnie d'énergie, en ce moment, je serais en train de conduire la dernière G-Guard ou Range Rover. Delina, quoi? Allez, oublie ça, je suis un grand homme. Écoute, laisse-moi te dire un truc. Mon pote va graduer et on va changer de classe. Tu me verras avec des grosses caisses. Qu'est-ce que tu racontes? Je te crois. C'est ce que disaient nos arrière-grands-parents à l'époque, tu te souviens? Mec, nous devons partir de ce village. Nous devons partir de ce village pour la ville. Aller travailler durement pour devenir aussi des grands hommes. Nous ne sommes que des hommes. Nous devons être des grands hommes. Me laisser aller où? Je partirai pour la ville. Me laisser aller où, mec? Regarde. Regardez quoi? Hey, ma chérie, attends. J'y vais en premier. Mais je l'ai vu en premier. Oui, tu l'as vu, mais je me suis levé le premier. S'il te plaît, laisse-moi. Ma chérie. Hé, mon amour.
Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est pas mon amour. Jolie fille, mon ange. Pourquoi elle fait ce genre de choses? Ne suis-je pas... Regarde-moi ça, des pieds on dirait des brochettes. Je t'appelle, tu crânes, un beau garçon comme moi. Pourquoi tu ris? Comment c'était? Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris? Mis à mort. Qu'est-ce qui t'amuse? Écoute, je t'ai dit que tu ne l'as pas, mec. Tu ne l'as pas. Numeria, Muna ou Mumu, Muna ou Najo, Mwa Idié, Mwa ou Nago, Wana Bone ou Nachu, Ocho, Wana Chongo ou Ena, ou Echoa. Mec, tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Ne force pas je les choses. Pas. Tu comprends, tu n'as pas le truc. Je t'ai dit, laisse-moi t'apprendre. Djegere Ginajo, Mwanken Corona. Comment l'as-tu appelé? Okay. C'est pas toi qui m'as enseigné que chaque femme que je vois, que je l'appelle d'abord mon ange et par la suite mon amour. J'ai suivi ton exemple à la lettre, mais là... Attends, je ne t'ai jamais appris ça. Tu es sûr de ce que tu dis? Je ne t'ai pas appris, mi amor. C'est quoi, mi amor? Mais tu m'as demandé de dire mon amour. Mais qu'est-ce que tu... attends, je ne t'ai pas appris celui-là. On dit mi amor. Comment peux-tu appeler une fille mi amor à la première rencontre? Mi amor, t'as mon goyen. Ça veut dire que tu me trompes alors. Tu ne veux pas que j'attrape une fille dans ce village? Désolé, monsieur. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Désolé, oh, arrêtez, laissez désolé, tomber, monsieur. Arrêtez. Laissez ça, d'accord? Je ne peux pas les laisser. Comment le ferais-je? Ce sont les oranges que je suis censée aller vendre au carrefour. Ah, ok, c'est bon. Combien ça coûte? Je vous donnerai de l'argent pour ça. Je ne veux pas d'argent. Écoutez, j'ai dit que je payerai pour ça. Dites-moi le prix. Allez. Je ne vous connais pas. Pourquoi voulez-vous me donner votre argent? Je ne veux pas, monsieur. À présent, vous me connaissez. Alors, quelle différence ça fait? Donnez-moi une seconde. Voilà, 20 000 naira. Je sais que ça sera assez pour récupérer tout ça. Prenez. Merci vraiment, monsieur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est bon. Merci. C'est merci bon. Beaucoup. C'est bon. Levez-vous. Merci. Levez-vous. Alors, vous vivez dans le coin et est-ce que ça vous gêne que je vous dépose? Je peux rentrer toute seule. Merci. Écoutez, je voudrais vous déposer. Ça vous pose un problème? Ce que vous avez fait est suffisant, vraiment. Merci, monsieur. Voyons. Non, c'est bon, je rentrerai toute seule. Et j'insiste. Allez, je vais vous déposer. Merci. Le plateau. Non, c'est bon, laissez ça. C'est ici que je vis. Vraiment? Et voici ma sœur. Waouh! Celle des bérets. Tu ne m'as pas dit que tu avais un petit ami, oh? Ce n'est pas mon petit ami, je l'ai rencontré aujourd'hui. Osaï, je vous présente ma sœur Rosa. Rosa, je te présente Osaï. Oh, c'est un plaisir de vous rencontrer. Enchantée. Je suis Rosa, alias la petite bombe. Vous ne ressemblez pas à tous ces villageois du coin. Je suis certaine que vous n'êtes pas d'ici. D'où venez-vous? Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie l'aide, vraiment. Je vous en prie. Ok, puis-je avoir votre numéro afin de vous appeler plus tard? Je n'ai pas de portable, monsieur. Vous n'avez pas de téléphone? Oui, monsieur. Alors, comment vais-je vous joindre plus tard? Monsieur, ce n'est pas un problème, hein? Ce n'est pas un problème. J'ai un téléphone. Vous pouvez la joindre à travers le mien, hein? Oui, ma sœur a un téléphone. Prenez son numéro. D'accord.
Ok, je viens de composer mon numéro, c'est mon numéro, ok? Ok. D'accord. Voici 5000 naira juste pour recharger du crédit. Monsieur. Et s'il vous plaît, restez près du téléphone pour qu'à chaque fois que j'appellerai, je puisse l'avoir. Vous voulez dire juste pour du crédit? Ouais. Hey! Oh, donc, moi, hey! Vous pouvez l'appeler matin, midi, soir. Je suis en poste. Je suis à vos ordres. C'est bon, c'est bon. Bonne journée, monsieur. Quel vrai homme. Plus tard, d'accord. Hey! Ezigomodo. Merci. Monsieur, l'argent. Juste pour recharger du crédit. Bye bye. Hey! Eh bébé! Ah, hey! Eh bébé! Mais qui est ce mec, non? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pardon, laisse ça. Regarde tout ça pour recharger du crédit. Hey! Monsieur l'argent! Le grand boss! Respecte-toi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Hey! Mais Ebé, reviens d'abord, non? Reviens. T'es sûr que ce mec n'est pas ton petit ami? Ce n'est pas mon petit ami. J'en ai sûr. Il ne l'est pas, laisse-moi tranquille. Quel bel homme. Il est si charismatique. Hey! Tout ça juste pour du crédit. Hey! Rosa, oh! Rosa, ma chérie. Oui, mon oncle, je vais bien. Je vais bien. Mon oncle, l'école. L'école est tellement stressante. Oui, mon oncle. Et comment va Londres? Et tout le monde qui s'y trouve? Ok, ils vont bien? Ok. Oui, mon oncle. Nous sommes là. Le village va bien. Tout se passe bien au village. Oui. Mon oncle. Je... Aucun souci, mon oncle. Tout le monde va bien. Aucun souci. Oui, nous allons bien. Il n'y a aucun problème. D'accord, mon oncle. Ok, au revoir. Bye bye. Hey. Comment vais-je lui dire maintenant que j'ai été renvoyé de l'école? Je dois lui dire avant qu'il ne le découvre. Mais comment vais-je le lui dire alors? C'est ça, maman. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Il m'a vu aujourd'hui et il a fait preuve de gentillesse envers moi. Il m'a même ramenée à la maison. Je lui ai dit non, ça va, ça suffit. L'argent que vous m'avez remis est suffisant. Il a dit non, entrez dans la voiture, je vais vous déposer. Arrivé ici, il a donné 5000 à Rosa pour charger son téléphone. Tu es sérieuse? Je suis très sérieuse, maman. Ah. Son genre est très rare. En tout cas, bien que je sois contente, je veux que tu sois très prudente. Vraiment très prudente, ok? D'accord, maman. Tu ne connais pas ses intentions envers toi. Donc ne perds pas l'objectif. Et ne te laisse pas emporter par ces choses. S'il te plaît, je n'aimerais pas que tu fasses un truc que tu vas regretter. C'est compris? D'accord, maman. Je comprends. Tiens. Utilise ça pour payer la dette que tu dois à maman Ibouza. J'aurais suggéré que tu utilises cet argent pour acheter ton formulaire d'examen. Mais même si tu achètes le formulaire, je n'ai pas assez d'argent pour payer la formation. Je sais. Paye-la d'abord. Je n'aime pas sa façon de débarquer ici chaque jour pour t'embarrasser. Ce n'est pas bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Pourquoi me remercies-tu, maman? Je dois te remercier. Allez, rembourse-la. Rembourse-la d'accord. D'abord. Hey, Ikwana Anyabiko. Tu es vraiment une femme très intelligente. Oui, tu prévois poursuivre tes études? Oui, monsieur. Oh, vraiment? Oui, mais on n'a pas assez d'argent. On économise encore pour ça. Oh, c'est pour vrai? Pour très bientôt, oui, monsieur. Ok, donc, tu veux être quoi à l'avenir? J'aimerais être une infirmière. Une infirmière?
Oui, monsieur. Oh, crois-moi, tu vas faire une très bonne infirmière. Merci, monsieur. Écoute, Abby, il y a un truc que j'aimerais te dire. Vraiment? Oui, je l'ai à l'esprit. Je pense que je devrais t'en parler sur le champ. De quoi s'agit-il? Tu vois, Iberé. Oui. Tu me plais énormément. Tu me plais vraiment, vraiment beaucoup. En fait, j'aimerais qu'on traverse le pont d'être juste de simples amis. J'aimerais faire partie de ta vie. Tu sais, j'aimerais te traiter comme la reine que tu es, si j'ai cette opportunité. Pourquoi as-tu choisi une simple vendeuse d'oranges comme moi? Je sais qu'il y a des femmes d'où tu viens à Abuja, des femmes plus grandes. Elles iraient bien avec ton statut. Pourquoi me choisir? Parce que je t'aime. C'est pour ça. Tu es ancré au plus profond de mon cœur. Parce que je n'arrive à penser à rien d'autre à part toi. Parce que je t'aime. Je t'aime tellement. Écoute, s'il te plaît. Si tu me donnes cette opportunité, crois-moi, tu ne le regretteras pas. Désolée, monsieur, mais je ne peux pas vous donner ce que vous me demandez. Je dois partir, monsieur. Ébéré. Je suis désolée. Ébéré. The enemy is never far away. So tell me, who to be trusted and who to attack the enemy? I or you are not us in the moon. This is reality. Trust nobody at all. Makubindi maduna jalanja. They are never with you. This is reality. Don't you trust nobody at all. Nde madu jalanja. They are never with you. Onye muna ya satrano. Sinokwa mubu zinokwa no. Someone who I call a sister is my greatest enemy. Oh, I am my colonia, akoko amo oi. Yeah, this is reality. Le bonheur, c'est son propre seul problème. Le bonheur, je dis si son pauvre c'est le problème. Le bonheur, si son pauvre c'est le problème. Oui, bébé. Ah. Rosa, tu... Oui. Je lavais les habits de la vieille. En fait, si tu veux, tu n'as qu'à aller sortir les tiens. Je vais les laver. Ah. Oui. Hé, hey, je rêve. Qu'est-ce qui te prend de laver les habits aujourd'hui? Ébéré, ma chère sœur. Tu sais, un jour, je me suis assise. J'ai réfléchi. J'ai réévalué. Je me suis dit, ah, tout le temps, ma sœur va au marché. Elle fait les tâches ménagères. Elle fait tout d'elle-même. Je me suis dit, tiens, Rosa, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Je me suis assise et j'ai dit, je dois changer. Ébéré, s'il te plaît, pour tout ce que je t'ai fait, pardonne-moi. Ah, ça va, c'est bon. Ah, tu es sérieuse? Oui. J'ai toujours su que tu es une très bonne personne. Je suis une très bonne personne. C'est bon, c'est bon. Merci. Et dans ce cas, je t'aiderai avec la lessive ensuite. Tu m'accompagneras chez mon ami. Tu parles de quel ami? Ça y voyons. Ah, ce mec? Mm-hmm. Ne t'énerve pas, oh. J'ai toujours voulu te dire ça. Mon esprit ne colle pas avec cet homme. Il y a un truc très louche chez lui. Oui, j'ignore comment tu vas le prendre, mais ce gars n'est pas une bonne personne. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est quelqu'un de bien. Oui. Dans tous les cas, aujourd'hui, je dirais oui à être sa petite amie. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux être quoi? Hein? Écoute, laisse-moi te dire un truc. Tu vois tous ces types? Ils vont te dire que tu es la reine de leur cœur. La réincarnation de la beauté. Mon sucre. Mon ceci. Mon cela. Ne les crois pas, oh. Une fois que tu ouvres tes jambes, tiens. Tu n'auras plus que tes yeux.
pour pleurer. Tu sais que je viens de la ville. J'y ai tout vu. Mes yeux se sont ouverts, j'ai exploré. Je suis entrée dans beaucoup d'endroits. Et donc, je dois te guider. Je dois te dire la vérité. Ne le crois pas, oh. Ne le crois pas. Même si tu lui dis oui, que tu veux être sa petite amie, il te prendra pour une fille facile, comme toutes ces sales filles de ce village. Non. Et tu sais que ton bonheur fait mon bonheur. Une fille facile? Non, je ne crois pas. Mais ce gars est un homme bien. Il me gâte, il me traite comme une reine. Il me dit, oh, sais-tu combien de fois m'a-t-il demandé d'arrêter de vendre des oranges? C'est moi qui dis non, que vais-je faire à la maison? Mais qu'est-ce qui te prend au juste, Héberé? Je veux dire, qu'est-ce qui te prend au juste? Tu as signé un contrat avec la pauvreté? Parce que je ne comprends pas. Donc, quelqu'un te demande d'arrêter de vendre des oranges. Et tu oses dire, non. Pitié, arrête ces conneries. Donc, ça te plaît quand la vieille est dans la pauvreté comme ça? Tu dis, je n'aime pas ça. On dirait que tu veux devenir bon à rien, comme ton père. Ah oui, tu veux suivre les pas de cet homme parce que cet homme s'est rendu bon à rien lui-même. Ce que tu viens de dire me gonfle à mort, oh. Ça me gonfle à mort, franchement. On te dit, mais t'es là. Désolée. Merde. Mais c'est... Pardon, papa. Pas prendre ton linge sale, pardon. Je suis contente. Désolée. Je vais venir avec un autre bon pour qu'on... Attends. Donc, cette fille veut dire oui. Si elle dit oui, ils vont sortir ensemble, puis ils vont se marier. Il va l'amener hors de ce village. Et qu'est-ce que je vais devenir, Rosa? Je vais rester dans ce village avec la vieille. Erreur! Quelle grosse erreur! Dans sa vie va changer, ma part va rester. Rosa, tu dois vite réfléchir. Très, très vite. Rosa, Rosa, Rosa. Oh, my girl, Rosa, she's a good for nothing girl. Everybody knows Rosa, Rosa, hey, Rosa. Oh, my girl, Rosa, she's a good for nothing girl. Everybody knows. Hey, hey, hey. Abacha, son, I come, my boy. Abacha, son, I come, hey, Rosa, if any lesson, lesson. Rosa? Rosa? Qui voilà? Rosa? Dike? Hein? Dike? Rosa? Dike? Rosa? Comment tu vas, ma chère? Mon pote, tu m'as manqué. Tu m'as manqué, bébé. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? C'est une longue histoire. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon père, c'est mon incapable de père. C'est lui qui m'a mené ici, mais c'est une longue histoire. S'il te plaît. Hé, hey, Rosa, dis-moi, c'est quoi ce cycle? Et qui est ce mec? Vas-tu la fermer? Alors comme ça, tu enlaces un mec devant moi? J'ai dit, ferme ta putain de bouche. Tu sais qui il est? Tu es là, gni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 gn
Dieu, c'est beau. Tu as raison. C'est l'une des maisons de mon oncle. Il l'a construit. Il l'a construit pour qu'à chaque fois qu'il viendra ici pour un événement, il aura un endroit où rester. Alors, vas-y, tu peux te mettre à l'aise, bébé. Je n'y crois pas. Ah! Allez, assieds-toi. Tiki Odogo, hein? Donne-moi une. The only thing she know is how to flatter. She the jumper from one man to the other. Her life is not in order. Hey. Rosa, slow down, no makoti, why I been let me run? Rosa, hey, Rosa, Rosa, hey. Oh my girl, Rosa, Rosa, she say good for nothing, girl. Everybody know Rosa, hey. Rosa, hey, Rosa, Rosa, hey. Oh my girl, Rosa, hey. Rosa, she say good for nothing, girl. Everybody knows, hey, 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 hey. About just a knock on my door, about see a good nanuko. Hey Rosa, if any nesoles, no happy tiffena. Na so he be, na so he be. Oh, Rosa, hey, Rosa, Rosa, hey. Oh, my girl, Rosa, Rosa, she say good for nothing, girl. Everybody know Rosa, Rosa. Alors, ma chérie, laisse-moi te montrer une autre. Celle-ci, tu vas adorer. Voici hey? Comment on fait ça. Hein? Regarde bien. Ah, ah. Tim, 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 tu peux le faire, n'est-ce pas? Je mets jusqu'à la fin. Hein? Ça te plaît? Attends. Attends. Non, je ne peux pas le faire. Tu peux le faire. Essaye. Regarde bien la vidéo. Tim, Tim, Tim. Maintenant, je vois pourquoi t'es toujours... Bon après-midi. Bonsoir, messieurs. Dites-moi combien ça coûte toutes vos oranges et vos concombres. Je veux tout acheter. Vous voulez tout acheter? Ouais. Vous voulez tout acheter? Ah, ah. Je vais... 3 000, monsieur. 4 500 naira. C'est ça. Voilà 10 000 naira. Un homme me les a donnés et m'a demandé de tout acheter. Ah, ah. Où est-il? Où est le monsieur? Hey, que Dieu le allez, bénisse. Allez, emballez, s'il vous plaît. Bénisse. Oui, j'emballe. Hey. Ah, ah. Merci, oh, merci. Hey. S'il te plaît, ramasse. Aidez-la, mais voyons, vous avez l'aide d'une paresseuse. Hey. Allez, maniez-vous, je crame sous ce soleil. Désolé, désolé, messieurs, j'emballe. Hey. Que Dieu le bénisse. Ça, c'est un ange. Et j'ai la chance aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Rosa, Rosa. Oui, on peut enfin rentrer à la maison. Écoutez, mettez ceci en dessous, puis cela au-dessus. Ok, d'accord, monsieur, désolé. On a terminé. Merci à vous, monsieur. Allez, mettez merci. Ça. Merci. Merci vraiment beaucoup à vous, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Hey. Je vais prendre ça, ça ne vous servira à rien. Non, vous pouvez partir avec. Prenez-le, prenez-le. Attends. Ok. Au moins, on peut partir. Il fait tellement chaud et ma peau est en réaction. Exactement. Oh. Allons-y, allons-y. Attends. Hein? Oh, ça y est, belle. Hé, donne-moi. Laisse-moi lui dire que quelqu'un est venu tout acheter. Allô? Allô? Oui, je vais bien. Ah! Merci, merci. Oui, je suis contente. Oui, monsieur, merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous élève. Oui, merci, monsieur. Oui, monsieur, tout de suite. D'accord, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Osaï qui l'a envoyé ici. Osaï a envoyé cet homme? Oui. Hey, c'est un homme vraiment bien. Hey. Wow. Allons-y, okay, allons-y, allons-y. Tout. Rosa, je t'avais dit que c'est comme ça qu'un Kirou devait finir, non? C'est-à-dire qu'elle se comportait là comme si elle valait mieux que nous, hein? Est-ce que tu sais que je l'ai vue l'autre jour pleurer devant la maison? Tu vois cette idiote? Celle-là qui ne cesse de se prendre pour la reine du monde. Elle n'est qu'une pauvre fille de village. Tu me vois? Moi, Rosa, je vais de l'avant. Je ne supplie pas les gens pour...
être amie avec eux ou quoi que ce soit, ce sont eux qui me courent après. Genre, Rosa, je vais être ton amie, je vais traîner avec toi, la grande meuf. Ouais, tu sais quoi. Ha! Tu n'as pas besoin de... En fait, je suis une amie, en plusieurs amies. Donc, tu n'as besoin de personne. Je savais que cette fille était étrange et malicieuse, vu les actes qu'elle posait. Elle faisait juste semblant d'être une bonne fille, à cause des choses que tu nous donnais souvent. Oui. Et elle a changé plus tard, dès que cette fille est arrivée ici au village. Elle s'est mise à la suivre comme si elle était au-dessus de nous. Maintenant, tu vois ce qui se passe? Tu sais pourquoi je n'ai jamais pensé à cette histoire? Je n'ose pas la voir parce qu'elle ne porte que des habits bon marché. Des habits que j'utilise comme des serpillères chez moi. Hé, hey, Rosa, ma chérie, merci. Qu'est-ce que tu fais? Allez, ôte-moi ça de là. J'ai dit ôte ça de là. Comment? Hé, hey, bébé. C'est comment? Ah, Cynthia, comment tu vas? Ébéré, mon Dieu, Ébéré, qu'est-ce que tu es belle! Comme ça? Ah, oui, non? Regarde ton agencement de couleurs, c'est très joli. Merci. Ah, Rosa, je sais que t'es en pleine discussion, mais s'il te plaît, dépêche-toi pour qu'on aille puiser de l'eau avant que maman ne rentre. Ok, t'inquiète, j'arrive. Ok, dépêche-toi. Bye-bye. Dépêche-toi, je m'apprête déjà. Rosa, si ce n'était pas le fait que tu es mon amie et que je te connais depuis longtemps, je t'aurais pris pour une clocharde. Tous ces gens qui vendent de l'eau dans les brouettes. Est-ce que tu sais que la façon dont Ébéré vient de te parler là montre qu'elle n'a aucun respect pour toi? Même pas pour notre amitié. Tenant compte du fait qu'on parlait de quelque chose de très important avant qu'elle n'arrive. Elle te parle comme ça. Wah, wah, wah. Cynthia. Cynthia. Combien de fois t'ai-je appelée? Tu as appelé mon nom deux fois. Dis moi Rosa, je suis restée calme. Sache que j'ai un plan. Je lui réserve quelque chose, t'inquiète. Elle a un petit problème pour moi. Eh, Rosa, mon amie, c'est alors pour cette raison que je t'aime souvent. Tu es une fille très sage. Je sais, hey. C'est quoi cette connerie? Tu as l'air de dépasser les limites. Madame, bouge-moi ce pied de là. J'ai dit bouge ça de là. Que je bouge mon pied? Pardon, ôte-moi cette saleté de mon pied. N'ose plus jamais, oh, n'ose plus. Ok. Rosa! Rosa! Qu'est-ce qui s'est passé, non? Tada! Quoi? Osaï m'a gardé un très joli téléphone. Osaï, t'as ton nouveau téléphone. T'as réussi! Oui! Et vous? Et c'est quoi? Pour le marché, il m'a demandé d'entrer dans sa voiture. J'ai dit non, que je vais quelque part. Il a dit non, que j'entre d'abord. Nous sommes arrivés quelque part, il m'a demandé d'attendre et il est sorti avec ce téléphone. A-t-il mis une puce dans le téléphone? Je ne sais pas, il dit que tout est dedans. Tu la montres à la vieille? Non. À son retour, je vais lui montrer. Je voulais d'abord te le montrer à toi. Tu es tellement chouette. Tiens. Je suis vraiment merci. Contente pour toi, oh. Tiens, c'est vraiment un homme bien. Merci. Hey, va dis donc, j'ai préparé à manger et j'ai gardé ta part. Ah, c'est vrai? Hey. Va dis donc. Hey, ma chérie, tu es évoluée. Téléphone. Hey. Abosina mamadu, onanima baya iyo, the enemy. Never far away. I so tell me who to be trusted and who to attack the enemy. I or you are not losing no more. This is reality. Trust nobody at all. My coping them, I do not challenge. They are never with you. This is reality. Don't you trust nobody at all?
the madu cholonja de a neva with you onye monaya satwana sinokwa mbuzi nokwana someone who I call a sister is my greatest enemy. Le seul contact de l'idiote est celui d'Osaïe. Je bloque son numéro pour qu'elle ne puisse plus l'appeler. Non. Je dois penser à quelque chose de pire. Cette fille pense qu'elle vaut mieux que moi, n'est-ce pas? Je dois sortir avec quelque chose qui va la détruire. Détruire leur relation. Rosa, tu es très maligne. En fait, c'est pour ça que j'ai décidé d'être ton amie. Tiens, tu es plus intelligente que les ordinateurs qu'on fabrique de nos jours. Mais, en y réfléchissant, comment feras-tu pour qu'il tombe amoureux de toi? C'est ça le truc. Il n'est jamais chez lui. Chaque fois que j'y vais, je ne le vois pas. J'ai une suggestion. Oui, appelle-le au téléphone. Dis-lui que tu as quelque chose de très important à discuter avec lui concernant Ebere. Et quand vous allez vous voir, utilise ton pouvoir de femme pour le séduire. Cynthia, c'est là qu'est le problème. Ce mec n'a jamais touché ma sœur. Donc je me demande pourquoi il est si attaché à elle. Hé, hey, qu'es-tu en train de dire? Tu es en train de dire qu'il n'a jamais? Il n'a jamais? Ta sœur utilise du charme. Oui, elle doit utiliser du charme. Parce que c'est impossible d'avoir une si jolie fille comme elle et de ne jamais pénétrer, de ne jamais mettre dedans. Et tu sais que ta sœur est une grosse sous-noire. Sais-tu ce qu'on dit de ces gens? Ce sont des gens dangereux. C'est justement ce que je me dis. Sinon, pourquoi se met quoi après ma sœur de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas? Ah ah! Rosa, si tu veux mon avis, je te demanderai d'agir vraiment très très vite avant de le perdre complètement. Parce que je ne comprends pas comment un homme peut être avec une belle fille et ne va jamais la pénétrer, hein? La faire entrer. Parce que je ne comprends pas, oh, la pénétrer? Oh, il n'a pas de couille en bas. Mais je doute parce que chaque fois que je le vois avec Claudine, façon dont le Bermuda et la fermeture est bombée, je suis sûre que ce qu'il a là en bas fonctionne. Oh, tu penses... Il n'a rien en bas? Ah, il a un truc. Il a un truc. Rosa, je ne suis pas connue comme une perdante ou un échec. Je dois avoir ce que je veux. Ah, Rosa, c'est pour ça que tu es mon amie. Ah, Rosa, get up, get up. Yeah. Get up, pony, yeah. Maman, je suis navrée chaque fois que je viens. On me dit que vous êtes très occupée. Et je n'ai pas eu l'occasion de vous voir. Mon fils... Je dois aller au champ, pour mettre à manger sur la table. Ok, je comprends, c'est très normal. S'il vous plaît, battez-vous avec ce petit cadeau que je vous ai apporté. Je ne sais quoi dire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ebere m'a beaucoup parlé de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci infiniment. J'aimerais vous demander quelque chose, si ça ne vous gêne pas. Ok, allez-y, je vous écoute. Ok. Que voulez-vous exactement de ma Ebere? Maman, j'aime beaucoup Ebere. Et j'aimerais, si possible, l'épouser. Mais pas maintenant. Ok. Oui, peut-être qu'elle aura terminé avec ses études. Oui, vous voyez, Ebere est une fille très, très intelligente. Avec un avenir très prometteur. Et je ne voudrais pas saboter ses rêves. C'est pourquoi j'ai dit que j'attendrai qu'elle finisse avec ses études. Et puis je demanderai sa mère en mariage. Ok. Vos intentions sont bonnes. Mais il y a un petit problème. Je ne pourrai pas épargner assez d'argent pour son éducation. Donc je ne sais pas. En fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu. Eh bien, j'aimerais me charger de sponsoriser ses études. Hein? Oui. Je veux la former. Hein? Premièrement. Et deuxièmement,
J'aimerais qu'elle arrête de vendre des oranges avant qu'elle puisse rester à la maison, se concentrer et lire ses livres. Et troisièmement, j'aimerais également que vous arrêtiez d'aller au champ. Quotidiennement, je le trouve vraiment stressant. Donc, ça c'est 300 000 naira de ma part. Vous pouvez l'utiliser pour commencer un petit business, ouvrir une boutique alimentaire ou encore un magasin. Voyez-vous, avant de cesser d'aller au champ quotidiennement, c'est vraiment stressant. Aïe! Je ne sais pas. Je manque de mots. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie. Maman, c'est bon, tout ira bien. Tout ira bien. Amen. Ne vous en faites pas, je ferai encore plus. Jay. Maman m'a dit tout ce que tu lui as dit. Et tu lui as même donné de l'argent pour commencer un business. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Voyons. Que Dieu au ciel te bénisse. Voyons, je te l'ai dit. Merci. Arrête tout ça. Il est de mon devoir de prendre soin de la femme que j'aime. Ok? Qu'ai-je fait pour mériter tout ça? Qui suis-je? C'est beaucoup trop pour moi. Tu es ma chérie. Tu es ma pierre précieuse. Tu es celle qui a volé mon cœur. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Oui. En passant, je t'avais promis d'amener faire du shopping, n'est-ce pas? Ok. On y va. Je suis là, je parle d'une chose. Maintenant, tu veux m'amener faire du shopping? Qui suis-je? Pourquoi tout non, ça? Non, arrête. C'est trop. Arrête. Tu en as Ce déjà trop fait. Ce n'est rien. Merci. Merci. C'est bon. Ok. On y va sur le champ. Ah, tu m'as dit de toujours mettre ma ceinture. J'ai oublié. Ouais. Par ici. J'aime bien voir. You're the body of us. You know the open doors. Use it for BL boss. Tu es si excitée. Allez, dis-moi, mon ami. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Okay. Qu'est-ce qu'il y a? Tout d'abord, c'est pour toi. Tu es sérieuse? Oui. Oh, ma puce! Tout ça pour moi? Merci beaucoup, mon ami. Merci. Ma copine, Dieu a décidé de sourire à ma famille. Mmh. Cet homme est un envoyé de Dieu, t'assure. Mmh. Savais-tu que j'ai arrêté de vendre des oranges? Hein? Mmh. Il a donné de l'argent à ma mère pour ouvrir une boutique d'approvisionnement. Que Dieu le et bénisse. Quoi? Il a quoi, dit qu'il va sponsoriser mes études. Quoi? Oui. Eh, hey, ma puce, je suis tellement contente pour toi. Je suis contente pour toi. Il a dit que quand j'aurai terminé avec mes études, il va m'épouser. Hein? Ma puce. Ah, félicitations, ma copine. Merci, tu es vraiment merci, sérieuse. Chérie. Hey, je suis si contente pour toi. Il m'a emmenée faire du shopping, alors j'ai acheté quelques petits trucs pour mon ami. Oh, merci beaucoup. Merci, ma copine. Prie. Que Dieu te bénisse. Je t'en prie. Merci. Amen. Et pour ton Osaï. Que Dieu le bénisse. Amen. Et toi, tu es une fille géniale. Viens là. Je t'aime. Je t'aime aussi. Merci, ma copine. Merci. Merci. Ne t'en fais pas, tu trouveras aussi. Ok, aide-moi à tout déballer. Toi, aide-moi. Je te promets. Mais ce truc est très dur. Mais comment ça, c'est dur? Mais c'est ce que tu venais de faire. Ce n'est pas moi qui l'ai moi, fait, c'est ma sœur. Pas. Ouais. Ouais. Fais-le bien, allez, c'est comme ça qu'on fait. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Pourquoi me frappes-tu à la tête? Désolé, désolé. Allez, désolé. Pitié, lâche-moi, t'as merdé. Désolé.
Allez, désolé. S'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi, sinon je t'arrache cette perruque. Lâche-moi, Dinier. Bébé Rosa. Rosa, moi, ok. Rosa? Rosa? Roro? Hé, hey, bébé. Iya, iyo. Ah, ah. Oh, guérédé. Ma sœur. Dis, tu rayonnes. Qu'est-ce que t'es rayonnante? Tu es vraiment belle. Ah. Hey. Hey. Ma sœur a une perruque naturelle, oh. Hey. C'est Osai. C'est Osai. Je suis allée le remercier pour ce qu'il a fait à maman. Puis il a décidé de m'amener faire du shopping, alors j'ai choisi celui-ci. Meuf, ce mec n'a Dieu que pour toi, oh. Il est vraiment fou de toi. Hey. Ebere, je te présente mon pote Dike. Oh, Dogo Dike. On se connaît depuis la ville. Dike, je te présente... Je la connais. Je la connais, Ebere. N'est-ce pas, Ebere? Si tu savais comme cette fille... se prend la tête, si tu savais comment elle me traitait. Chaque fois que je lui demandais d'être ma copine, elle disait non. Elle se prenait pour la reine du monde, la seule sur terre. Que elle est la seule, la plus belle de ce village. Donc comme ça, c'est à cause de ce mec que tu m'ignores. Attends, écoute, laisse-moi te demander. Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Si tu me connaissais, penses-tu que tu Dike, je n'ai pas le temps pour tes longs discours. Rosa, rentre vite, j'ai beaucoup de choses à te dire. Ma soeur chérie, j'arrive, je suis même déjà à la maison avant toi. Je dois te raconter. Oh, Genege. Iya, iyo. Ah, ah. Donc, ce mec a transformé la vie de ma soeur juste comme ça, oh. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Désolé, écoute, attends. C'est ta soeur dont tu m'as parlé. Tu vois maintenant ce que j'endure dans cette maison. Hey. Elle est vraiment insupportable. Hein? Si tu voyais ce que cette fille me fait tout le temps, elle me traite comme du n'importe quoi. Et elle ne sait même pas qui je suis. Hein? Pourquoi me traite-t-elle de la sorte, moi? Dike, un étudiant en ingénierie. Elle me fait des manières, tu as vu comment les filles me courent après. J'ai décidé de me battre avec elle. Elle veut juste se faire belle. Du genre, c'est elle la plus belle. N'importe quoi. En fait, dis-moi, son petit ami, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Rosa, pourquoi tu souris? C'est comme ça que la folie commence, Rosa. Rosa. Mon amour, tu me manques tellement. Tu me manques de tout mon être et de tout mon intestin. Quoi? La digestion? Faut pas que tu t'inquiètes pour ce que je mange, oh, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de ça. Oui, et alors, quand est-ce que tu rentres, Mbok? Pardon, donne-moi mon téléphone, donne-moi. Ah, ah, ton idiot de copain ne peut pas te rappeler? Je ne sais pas depuis quand mon téléphone est devenu un téléphone public que tout le monde utilise pour appeler ses sales petits amis. Je demandais, Rosa, c'est quoi ce genre d'embarras maintenant? Si tu ne veux pas que j'utilise ton crédit, un crédit que le réseau t'a donné gratuitement comme bonus parce que tu ne l'as même pas acheté, un crédit que tu n'as même pas dépensé un seul sou, si tu ne voulais pas que je l'utilise pour passer l'appel, c'est quoi ce genre d'embarras? Tu m'as presque arraché l'oreille. Ce n'est pas de ta faute. Non, ce n'est pas de ta faute. Rosa, c'est pas de ta faute. Je me blâme d'avoir utilisé ton bête et pourri téléphone qui n'est pourri même pas téléphone, un iPhone. Pourri téléphone, toi-même. C'est pourri, pourquoi tu n'achètes pas un? Dis à ton gars qui t'achète un, non? C'est un bête téléphone. Bête et pourri. Tu penses que c'est un bête téléphone Nokia que je tiens? Tu m'insultes comme si tu utilisais même un iPhone. Ça, c'est un simple téléphone. Ce n'est même pas un Android. C'est parce que tu l'as couvert avec la pochette qu'il a l'air d'être un grand téléphone.
laisse-moi te dire un truc. Aujourd'hui est la dernière fois que tu me verras mettre mes deux pieds ici chez toi. Oui, je ne suis plus intéressée par cette amitié. Ma basse, à quoi? Donc, tu penses que ça m'enchante de me faire voir avec une vieille poule comme toi? Ou tu penses que je vais pleurer que... Oh, Cynthia me quitte. T'es malade dans ta tête. T'es de ma classe? Non, regarde-moi bien. De la tête aux pieds. Allez, fiche-moi le compte ici. Je ne veux même pas faire partie de ta classe. Dégage. Je ne veux même pas. Depuis qu'on se connaît, tu as changé, tu n'as même pas évolué. Regarde-moi cette bonne villageoise que je veux changer la vie. Oh, diable avec toutes ces bêtises. Regarde ce qu'elle porte. Tiens, Rosa, tu souffres. Ce n'est pas de ta faute. Mais qui sait encore? Allô, Mazi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, je ne viens pas haut. À chaque fois que je viens, tu me donnes 2500. Qu'est-ce que 2500 peut bien me faire? C'est pour faire ma coiffure ou c'est pour faire mes ongles? Hein? Chaque fois que je viens, tu prends 2500 et tu me donnes. Basé sur quoi, genre? Comment? J'ai dépassé ce niveau. Pardon, ne m'appelle plus haut. Ah ah! Mais c'est quoi tout ça? De la poisse partout! Je viens pour que tu me donnes 2500. Pour faire quoi? Vous êtes tous malades! Ça fait 1-0, tu le sais, n'est-ce pas? Quand j'aurai fini avec toi. Mais tu sais pas! Ne t'inquiète pas, ceci. Ce n'est pas le genre qu'on joue en vélo. Mia, barre, bobona. Laisse-moi t'apprendre le jeu. Allez, joue. Hein? Tu veux m'apprendre le jeu? Allez, ramasse-les. Ramasse, pas de ça ici, ramasse. Roro, il n'y aurait pas elle, la Rosa. Eh bien, je veux bien manger au... Mais nous sommes en plein jeu et je suis en train de battre Tiki. Je vais gagner. Vous devez manger avant que cette nourriture ne se refroidisse. Je dois laver mes assiettes. Attends. Pas de soucis. Dépose ça, tiens. Ok? Non. Ne t'inquiète pas. Ok, bon appétit. Non. Hey, où est-ce que tu vas? Allez, viens manger la nourriture avec nous. Non, mes plats sont encore sales. Je dois aller les laver. Ah, viens manger, viens. Viens d'abord. Tu connais ma sœur, c'est une patente. Elle adore travailler. Viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir. Je n'ai pas gardé mes assiettes sales, tu le sais. Ah, les assiettes? Ce ne sont que des assiettes, je peux le faire. Viens t'asseoir, non? Ezigomado. Assieds-toi. Tes assiettes, c'est quoi, non? Je t'ai dit que ma sœur, c'est une vraie battante. Oui, bien sûr. Ezigomado, la petite bombe. Allez discuter, ok? Parlez, je vais chercher ma chaise et venir manger avec vous. Ok. Vous pouvez parler. Hey! Ça va me sortir par les narines. Je te jure, je ne savais pas que t'étais aussi drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Drôle, ça peut dire. Ce gars est un vrai comédien. Ça me rappelle quand nous étions en ville, ma chérie. Ce gars bavardait tellement. J'ai failli me pisser dessus. Je te dis, je me demande pourquoi il n'a pas fait une école d'humour. Ne t'inquiète pas. À ce moment, tu me payeras pour que je te fasse rire. Et puis, toi spécialement, tu me donneras un chèque et béret. Dicky, laisse-moi te dire quelque chose. Même si tu deviens la plus grande superstar, numéro 1 du monde entier, tu resteras mon gars. Qu'as-tu dit? Comment ça, qu'est-ce que j'ai dit? C'est la partie du gars que t'as pas compris? Do not tell them, just be an aim with you. This is
this reality. Don't you trust nobody at all? Oui. Ah. Oui. Merci, merci. Je t'en prie. C'est ici que tu veux la mettre? Hein? Oui. Ok, laisse-moi le faire pour toi. Merci. Hein? Dike, merci beaucoup. Je t'en prie. Attends, écoute. Après ceci, je vais aller puiser un autre. Ceci ne suffira pas non, pour non, vous non, tous. Non, 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 ça suffit. Tu m'as déjà beaucoup aidé aujourd'hui. Je vais appeler Rosa pour qu'ensemble on aille puiser de l'eau. Écoute, je suis libre aujourd'hui. Je n'ai rien à faire, donc j'irai puiser de l'eau. Aujourd'hui, c'est ton jour. Merci, Dike. Je t'en prie. Je t'en prie. Merci. Allons-y. Non, 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 non. Écoute. Reste ici, je vais aller puiser. Ah, ah. Oui, je vais puiser de l'eau. Et tu sais qu'il fait très chaud. Je ne veux surtout pas que le soleil abîme ta peau. Ah. Hein? Tu vas rester ici, je vais puiser de l'eau et je reviens. Comme un domestique ou quoi? Si tu m'aides à puiser de l'eau, la moindre chose que je puisse faire, c'est de t'accompagner. Ou si tu ne veux pas le faire, alors laisse-moi. Tu n'es pas mon domestique, ah. C'est bizarre. Tu insistes? Oui. Ok, d'accord, je vais prendre ça pour couvrir ton corps, pour que le soleil ne te touche pas. Ah. Attends, laisse-moi te couvrir. Allez, laisse-moi te couvrir. Ah. Ok, allons-y. Allons-y. Merci. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Finalement, tu as de la chance. Il n'y a plus le soleil, comme je t'ai dit. Tu es contente? Oui. Attends, recule, recule. Allez, recule, fais attention. Fais attention. Salut, Jerry. Salut, chérie. J'étais en report chez toi. Nous le sommes aussi. Oh, vraiment? Et qui est-ce? Ah, c'est mon ami, Dike. Dike, mon petit ami. Dans ce cas, vous pouvez entrer et que je vous dépose à la maison. Allez, tu viens, on y va. Hein? Entrez, ouais. Non, écoute, je n'entre pas dans cette voiture. Je n'entre pas dans cette voiture, j'ai ma propre voiture. Je t'aiderai à le mettre dans la voiture. Oui, je vais rentrer. Laisse-moi t'aider. Je le mets ici. Hein? Bébé? Mais, s'il te plaît, ouvre. Béré, mais arrête. Je t'ai demandé de ne pas faire ça. Arrête. Quand tu viens chez moi, tu fais pratiquement toutes les tâches ménagères. Mais tu me connais bien. Je suis très douée pour ça. Laisse-moi. Toi, la fille ici. Ouais. Et voilà la plus belle. Élégante. Gentille. En fait, la plus jolie de notre village. Ma chérie, comment tu vas? Je vais bien, mais Dike, qu'est-ce que tu fais là? Et comment as-tu su que j'étais ici? Cette question, je vais la répondre un autre jour. Nkachi, comment oh, tu vas? Oh, s'il te plaît, comment peux-tu venir chez moi sans prévenir? Et si mon père était là? Désolé, je suis désolé. Ebi, je t'ai apporté des anciennes preuves. Les questions et réponses, tout est là. Ah, comment es-tu au courant des matières que je dois valider? Merci, mais t'aurais pas dû te déranger pour ça. Et pourquoi ne pas me donner ce mal? C'est pourtant à ça que servent les amis, hein?
Allez, prends-les et étudie-les bien, ok? Ouais. Merci. Allez, étudie-les très très bien. Je le ferai. Puisque tu as remis ton cadeau, peux-tu y aller maintenant? S'il te plaît, va-t'en. Parce que si mon père rentre et te voit ici, ça n'aura rien de drôle. Tu ne vas pas te marier, hein? Vas-tu rester chez ton père pour toujours? De quoi je me mêle? Si tu continues de chasser les hommes qui viennent chez ton père, comment vas-tu te marier? Ebi, je te verrai plus tard, hein? Rassure-toi de l'étudier. Étudie-les très bien. Fais-moi savoir ce que tu ne comprends pas. D'accord. Merci beaucoup. Ebi. Oublie ça, on se voit plus tard, ok? À tout à l'heure. Depuis quand est-ce que tu marches avec ce garçon? Ce gars qui est reconnu pour mettre toutes les filles dans son lit. Hein? Je me demande ce que tu fais avec lui, oh. Nous ne sommes pas des amis aussi proches que ça. Dike est maintenant un mec bien, il a changé. Il n'est plus ce genre de personne. Dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu avec une fille du village? Il est une meilleure personne à présent. Je te dis. S'il te plaît, Béré. Écoute, tu me dis que tu n'as rien à y voir avec ce mec. Si tu n'as rien à voir avec lui, alors pourquoi est-ce que tu acceptes ses cadeaux? Et si Osai découvre que tu as un truc à voir avec ce gars, que lui diras-tu? Béré, écoute, tu veux utiliser tes propres mains pour gâcher ce que tu as? Hey! Maintenant, tu dis qu'on a une liaison à cause des cahiers? Il m'a simplement acheté des livres avec lesquels étudier. Tu sais comment chercher un moyen d'acheter ce questionnaire depuis. Ok, hein? Peut-être que je devrais les rendre. Hein? Tu viens de dire que peut-être tu devrais les rendre? Ma chérie, tu dois les rendre. Rends-les, s'il te plaît. Écoute, ne m'aide plus. Rentre chez toi. Je vais les rendre. T'en fais pas. Je vais les rendre. À mon retour chez moi, je vais les rendre. Rosa? Eh bébé. Rosa, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je lave les plats chaque jour sans me plaindre. Que tu vas les laisser sales tout le temps? C'est pas gentil, voyons. Serette, s'il te plaît, calme tes nerfs. T'énerve pas, tu sais à quel point je suis bête. Fais pas attention à moi, quand je vais rentrer, je vais le faire. T'énerve pas. Ces derniers temps, tu as décidé de cuisiner dans cette maison. La Rosa que je connais. Pour quelle cuisine? Ha! J'espère que la fin du monde n'est pas proche. Les humains, je ne vous comprends pas. Quand on ne fait pas, vous parlez. Quand on fait, vous parlez toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu te maquilles aussi, en plus tu as cuisiné. Donc tu penses que t'es la seule à avoir l'amour dans ta vie, n'est-ce pas? Hein? J'ai aussi un amoureux. Et j'ai décidé de lui préparer un mets somptueux qui va lui faire chavirer son cœur à cause des bonnes choses qu'il fait pour moi. C'est super. Tu sais quoi, parce que tu t'en vas à un rendez-vous avec l'amour de ta vie, je vais tout laver pour toi. T'es sérieuse? Hey, merci. Hey, Ozidom, Mali. Omali Tchane. Aucun souci. Ok, t'en fais pas. Ne dure pas trop pour que maman te trouve déjà à la maison. T'inquiète, je vais juste te déposer ça et rentrer. Hey, pas de problème. Ozigo, Madou. Je suis contente pour toi. Merci. Dépêche-toi. Pas de problème. Félicitations. Je vais tout laver pour toi. Pas de problème. Rosa ceci, Rosa cela, Rosa. Oh my girl, Rosa, she's a good for nothing girl. Everybody knows Rosa, hey Rosa. Oh my girl, Rosa, she's a good for nothing girl. Everybody knows. Hey. Abacha sana kama inoi. Abasiye guo na nuko. Hey Rosa, if any nesseles. No ya poti fena, na so ibi na so ibi oh. Oh, Rosa, Rosa, Amaka Rosa, she's a good for nothing girl. Everybody knows Rosa, Rosa, Amaka Rosa, she's a good for nothing girl.
Everybody know she's so good for nothing, girl. The only thing she know is how to flatter. She the jump from one man to the other. Her life is not in order. Rosa, slow down, no makoji, why I didn't let me run. Rosa, 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 oh my girl, Rosa, Rosa, she say good for nothing, girl. Everybody know Rosa, 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 oh my girl, Rosa, Rosa, she say good for nothing, girl. Everybody knows. Non, je vois bien où je rêve. Cynthia! 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 N'est-ce pas toi que je m'adresse? Je te parle, tu me tournes le dos. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Donc c'est comme ça ta vie. Oh, 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 oh! Pas étonnant que tu as demandé à venir avec moi ici la dernière fois. Mon ami, reviens là! Je demande qu'est-ce que tu fais là? Oh, madame! Si ta main me frôle encore, tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Oh. Si tu essaies encore, n'ose pas ces bêtises avec moi. Oh. Je te préviens. Ose encore me parler. J'ai dit, ne me teste pas. Oh. Ne me tente même pas. Laisse-moi te dire un truc, madame. Oh. Ma basse, écarte-toi de mon chemin. Eh? Si ta main me touche encore pour une seconde fois, tu ne vas pas aimer ce que qu'est-ce je vais que te tu faire. Vas faire. Je t'aurais prévenu. Qu'est-ce que tu vas faire? I was in a bombard, on a me my yo. The enemy, they were far away. So tell me, who to be trusted, and who to attack the enemy. Oh, you are not losing no more. This is reality, trust nobody at all. My coven, the mother, not challenge, they are never with you. This is reality, don't you trust nobody at all. Bonsoir la vieille. Ah, Rosa. Rosa, viens. Qu'est-ce qu'il y a? La vieille, c'est une longue histoire, je ne peux pas parler maintenant. Quoi qu'il s'agisse, je sais que tu peux m'en parler. Pourquoi es-tu comme ça? Qui t'a fait ça? La vieille, c'est la maîtresse de mon copain, c'est elle qui m'a fait ça. Je suis allée chez mon copain pour lui apporter à manger et j'ai croisé cette idiote là-bas. Ah, Rosa. Tu es allée chez lui et tu as abattu une autre fille. Et vous vous êtes mise à bagarrer? Mais oui, je ne peux pas laisser mon mec comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Rosa, tu es une femme. Combien de fois t'ai-je déjà dit que la bagarre ne résout absolument rien? Hein? D'ailleurs, aucun homme ne mérite qu'on se batte pour lui. Hein? Regarde-toi. C'est bon, s'il te plaît, viens te nettoyer avant de prendre ton bain. Okay, c'est bon. Maman. Ah ah. Où est-elle? Où est cette voleuse du mari? Ah ah. Akuna, Akuna. Ozinachi. Eh? Amouti. Qui est cette prostituée? Va m'amener Rosa. Amène-moi cette sale crénée. Ici que je lui parle. Rosa? Cette sale prostituée. Tu dis hein? Rosa? Mais qu'a-t-elle fait? Elle couche avec mon mari et gaspille notre argent. Rosa? Rosa! Je parle de Rosa. S'il te plaît, calme-toi. Fais la sortie. Rosa! La vieille, mais j'arrive pour... Qu'est-ce que tu fais là?
Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es venu faire avec tes sales pattes dans la maison de ma mère? Oh, comme ça tu es venu jusqu'ici pour me battre, n'est-ce pas? Moi, Rosa? Madame, si tu ne dégages pas d'ici, je vais te mettre une bonne raclée comme tu chauffes. Tu sais, tu n'as aucune dignité. Maman, arrête-moi. Sale garce, tu n'as vraiment aucune dignité. Et tu oses même parler. Tu te rends compte? Écoute, hein, quand j'en aurai fini avec toi, quand je t'aurai donné une bonne leçon, tu sauras qu'on m'appelle aussi Nati. En fait, si tu ne laisses pas mon mari tranquille... Hey, madame, ce que je vais faire? J'ai forcé ton mari. Hey. C'est un enfant. La ferme. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Ferme-la, Rosa. Non, laisse-la. Laisse cette sale prostituée. Es-tu stupide? Laisse cette sale garce venir me parler. Laisse-la venir me parler. Voleuse de mari comme toi. Biko, s'il te plaît, calme-toi, oh. Ah, laisse-la voir. Désolée pour tout. Hey. S'il te plaît, Ozinati. Amouti. Attends. Amouti. Attends, je suis vraiment désolée pour tout. Je te promets qu'elle ne s'approchera plus de ton mari. S'il te plaît, je ferai en sorte qu'elle vienne te demander les excuses. Tu ferais mieux de la mettre en garde. Je le ferai. Tu ferais mieux de la mettre en garde. Mata quoi, Dja? Biko, c'est-à-dire, si je traite ta fille, hein? Biko. Tu ne pourras pas la reconnaître. Calme-toi. Elle n'a qu'à continuer. Biko. Et quand j'aurai terminé avec elle? Mais, s'il te plaît, viens. J'ai compris. Je ne veux pas qu'une autre oreille l'entende. Fais bien ton travail. Parle-lui. Je le ferai. Parle-lui. Makantigi Rosa, il fait mes Il n'y aura pas de prochaine fois. Je m'en vais, oh. Mais je reviendrai. C'est bon. Je reviendrai. Biko, oh. Ouai, Oma. Je reviendrai. Oma, les tchawa, oh. Hey. Cette fille m'a fichu la honte. Je viens de regarder un film. Bien. Rosa. Rosa. D'accord, donc. Ok, attends. J'ai une question à te poser. Si Y plus 54 est égal à 64. Ok. Alors, qu'est-ce qui est Y? Mais c'est vraiment simple, ça. Ok, voyons. Y est égal à 64. On amène 64 de ce côté, moins 54. Alors, Y est égal à 10. Bonne réponse. Tiquez, mon pote, tiquez. Eh bien, Rosa. Tu es ici? Je ne suis pas là, Rosa. Rosa, je ne suis pas là. Donc, tu fumes. Donc, c'est ici que tu fais tes bêtises. Chaque jour, tu ne cesses de dévoiler ton côté obscur. Chaque jour. Pendant une seconde, j'ai cru que t'avais changé. Mais c'est évident que tu ne faisais que semblant. Bien, Ebere. Oh, peu importe comment tu t'appelles. Il ne faut pas que je te gifle là maintenant. Il ne faut pas déverser ma colère sur toi, oh. Non, gifle-moi. Gifle-moi, Rosa. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi es-tu si légère? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est ce genre de vie que tu veux mener, Rosa? C'est bon, Ebere. Allez, c'est bon. Rosa, s'il te plaît, peux-tu arrêter la cigarette? Arrêtez quoi? Dis que non, arrêtez quoi? Attends. Qu'est-ce qui te prend de me dire ça? Non. Hein? Est injuste. Oh, parce que ma sœur est ici. Tu es devenue une mauviette. Hein? Monsieur, laisse-moi te dire un truc. Si tu ne veux plus que je vienne chez toi, dis-le-moi simplement. Je ne viendrai plus. Ça veut dire quoi tout ça? Dike, nous allons continuer une autre fois. Mais, attends, tu pars. Va-t'en! Il fallait prendre ceci pour calmer tes nerfs. Madame, je sais tout. Bien, Dike. C'était quoi ça au juste? Et puis quand tu prends le parti de ma sœur, tu la connaissais avant? Est-ce que tu avais le courage de lui parler avant? C'est bon. Allez, ne t'énerve pas. Ne te fâche pas. Tu es devenu une mauviette, hein? Je n'aime pas ça. Ne te fâche pas. Quoi de neuf? Allez, passe-moi une cigarette. Allez, passe-moi une. Allez, prends. Donne-moi que je fume. T'es devenu une mauviette. Allez, viens t'asseoir ici. Pourquoi tu restes loin? Mec, ne fais plus ça. Tu sais que t'es mon poteau.
Mais tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'assure. Je t'assure. Même ma soeur était choquée. Mec. Ifi. Oh, Tibéri. Bon après-midi. Salut, est-ce qu'elle peut être là? Oui, elle est dedans. Appelle-la, s'il te plaît. Oublie Rosa. Dis-moi, que faisais-tu chez Dike? Eh Béré, donc malgré tous les conseils que je t'ai donnés, tu ne m'as pas écouté. Tu t'es entêté à garder l'amitié de ce gars. Eh Béré, tu as vraiment changé, oh. Nke, pas de Nke qui tienne. En fait, je suis furieuse contre toi. Je suis vraiment furieuse contre toi. Je ne peux plus rien entendre à propos de ce garçon, s'il te plaît. Mais Nke, je t'ai dit, il m'aidait juste avec mes cours de mathématiques. Nous savons tous les deux que je suis très faible en maths. Alors il m'aidait un peu. Il t'apprenait juste les maths. Il va le faire entre tes jambes. Ne t'inquiète pas. Hey. Ne sois pas comme ça. Ce mec a vraiment changé. Dike est un mec inoffensif. Béré, écoute. S'il te plaît, s'il te plaît. Je ne veux avoir aucune discussion au sujet de ce gars. Ce gars de Dike, je ne veux pas parler de lui. Laisse-moi te dire. Tu as oublié qu'un léopard ne peut jamais changer sa nature. Ne le sais-tu pas? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Peut-on changer de sujet? Parce que... je ne veux vraiment pas discuter à propos de ce gars de Dike, s'il te plaît. Est-ce pour cela que t'es fâchée? Je t'ai dit que ce mec a changé, crois-moi quand je te parle. Eh Béré, je t'ai dit que ce sujet est clos. Tu vois ce que Johnson m'a fait? Je n'ai pas du tout aimé ça. Sais-tu que Johnson a eu le culot? Le toupet, le courage de me laisser planter au carrefour sans venir. Imagine, je suis restée plantée sous le soleil ardent. Ma chérie, j'étais vexée et j'avais déjà prévu d'aller manger le hikom. Tu connais le hikom? Plantain mélangé avec des feuilles et de l'huile. Mon rêve n'a pas été réalisé. J'étais si en colère. En fait, je suis en colère. Hey, Cynthia. Oui. Toi et tes fausses histoires. C'est pourquoi. Où est cette idiote? Hey, je te jure sur ma vie que partout je te verrai, ce village entendra parler de nous. Tu vois ce qu'on a commencé la dernière fois? Nous allons l'achever ici. Et maintenant, quand j'en aurai terminé avec toi, tu t'enfuiras de ce village. N'importe quoi. Laisse-toi venir te battre. Laisse-toi. Rosa, le jour où mon père et ma mère m'ont conçu, elles m'ont surnommé fauteuse de troubles. Je ne suis pas troubleuse. Pour ça, je ne peux pas me battre avec toi. Donc, je te prie au nom de Dieu et la bouche avec laquelle tu avais l'habitude de prendre la communion à la messe et au culte. S'il te plaît, ne viens pas me battre. Et si tu veux, tu pourras aller chercher un bulldozer au carrefour que tu pourras battre. Donc, porte tes problèmes et va ailleurs avec Sao. Bon, Ndarena Basuke et Funaya. C'est raté, oh. C'est raté parce que je vais te refaire le poitrin aujourd'hui. Rosa! C'est quoi ton problème? Est-ce l'endroit idéal pour régler tes différends avec elle? Tout ce que tu fais, c'est causer des troubles et coucher avec les maris d'autrui dans ce village. Ne peux-tu pas être calme comme ta sœur Ebéré? Qu'est-ce qu'il y a à te donner en spectacle? Quelqu'un vient de parler? Excuse-moi, c'est elle qui vient de dire que tu couches partout avec les hommes. Comme ça, moi, Rosa, tu m'espionnes, n'est-ce pas? Tu m'espionnes. Tu es folle? Tu es malade? Celle-ci a cherché un problème. Maintenant, regarde-toi. On ne t'a pas dit. Je m'en vais, oh. Aide-moi. 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 Mange ça. Tu es folle. La prochaine fois, tu sauras que je m'appelle Rosa.
Tu vois, X est égal à 12, moins 1, est égal à 5. Dis que 54, oui. 54, est-ce? Pourquoi ne t'inscris-tu pas dans un autre établissement au lieu de perdre ton temps dans ce village? Si tu as peur de recommencer, pense à ce qui arrivera quand ton oncle découvrira qu'on t'a renvoyé de l'école. Ne penses-tu pas qu'il serait mieux qu'il découvre que tu es dans une autre école qu'au lieu de découvrir que tu n'es pas à l'école du tout et que t'es un blagueur? C'est que tu es très intelligent. Essaye d'entrer dans une autre école. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, oui, c'est juste que... C'est rien du tout. En passant, ne penses-tu pas que tu devrais aussi t'inscrire au JAM? Oui. C'est bon, je vais essayer. Je vais essayer. C'est ça l'esprit. Mais qu'est-ce que je fous exactement dans ce village? Je ne fais que perdre mon temps. Je ne fais que perdre mon temps, alors que mes égaux sont à l'école. Je suis rentré, avec la honte, pensant que je fais ce qui est juste. Mais la plus grosse honte sera quand mon oncle rentrera et découvrira que je ne vais plus à l'école. Que se passera-t-il? Mon Dieu. Mec, écoute, écoute, au moment où je te parle, son état est vraiment critique, elle a besoin de ton aide. Oui, oui, elle a besoin de ton aide maintenant. Comment pourrais-je te mentir? Tu es mon ami. Oui, ouais, ok. Ok, bien, merci, fais-je... Oui. Pour qui ce mec se prend même? Je vais te montrer. Jésus. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais. Dike, comment suis-je arrivé là? Je ne sais pas. Dike, comment suis-je arrivé dans ton lit? Je ne sais. Je ne sais pas. Dike, tu m'as drogué. Moi?
Tu as profité de moi. Tu fais semblant, tu joues à l'ignorant, Dike. Pourquoi? Pourquoi attends. Tu as fait ça? Pourquoi? Mais comment? Comment suis-je arrivée dans ton lit? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est moi qui devrais te le demander. Que comment? Qu'est-ce que tu m'as fait? T'es un sale chien. T'es qu'un animal. Tout le monde m'avait prévenu à ton sujet. Mais je n'ai jamais écouté. Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais écouté. Je n'ai rien fait. Je te jure c'était sur ma vie. C'était ça ton plan? Donc c'était ça ton plan depuis le début, Dike? C'était ça ton plan depuis le début? Attends, écoute-moi. Tout le monde m'a dit que t'es un animal, mais je n'ai pas. Mais je n'ai pourtant rien fait. Ferme-la! Je n'ai la rien ferme. Fait. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis aussi confus que toi. Tu es trop stupide. Éberine, tu es stupide. Hey. Tu es stupide. Hey. Attends. Je suis désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. La ferme! Je ne sais pas. La ferme! Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me veux? Je t'ai appelé, je t'ai écrit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'évites? N'as-tu pas marre de me mentir? Comment? Non, c'est à toi de me le dire. Tu as cru que je ne saurais rien. À propos de découvrir tu quoi? Tu as cru que je n'allais rien découvrir, c'est ta relation avec ce gars. Tu m'as menti tout ce temps qu'il n'était qu'un simple ami. Tandis que vous couchiez ensemble. Oh oui, car je vous attrapais la main dans le sac hier. Oh! Ça te surprend, n'est-ce pas? Espèce de sale garce. Je peux t'expliquer. Rien ne s'est passé. Quoi d'autre veux-tu m'expliquer? S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, je n'ai rien fait. Tu dois me croire. Je n'ai rien fait. Hé, arrête de mentir. Reste loin de moi. Reste loin de moi. Ne me touche pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Tu n'aimeras pas ma réaction. Tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Ne me touche pas! Écoute-moi. Crois-moi. Je n'ai rien fait avec lui. S'il te plaît. Écoute-moi. Écoute-moi. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas fait. Abosina mamadu onanima baya iyo. The enemy is never far away. I so tell me who to be trusted and who to attack the enemy. I oh you are not losing no more. This is reality. Trust nobody at all. Makobinde maduna challenge. They are never with you. This is reality. Don't you trust nobody at all? No. Nde madu challenge. They are never with you. Onye muna ya sachwana. Sinokwa mubu sinokwana. Someone who I call a sister is my greatest enemy. Oh, I am a colonia, a coco amoy. This is reality. Trust nobody at all. My cobin de maduna challenge. They are never with you. This is reality. Ebere,
Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-le. Dis, maman, ce n'est pas vrai. Hein? Hey! Eh bien, ce que j'ai entendu, est-ce vrai? Hein? Écoute, Osal m'a dit qu'il t'a attrapé au lit avec Dike. Vrai ou faux? C'est vrai, j'y étais. Mais je n'ai rien fait. Mais quoi? Je ne l'ai pas fait, maman. Tu n'as pas fait quoi? Me croire. Tu n'as pas fait quoi? Et pourquoi est-ce que tu pleures? Attends une minute. As-tu dit que tu étais au lit avec Dike? Hey! Héberé m'a tué. Tu m'as déshonoré, Héberé. Depuis quand tu couches avec des garçons? Depuis quand? Hein? Héberé, je ne t'ai pas éduqué comme ça. Depuis quand? Hey! À l'OMM. Héberé, tu as chassé un homme. Un homme avec de bonnes intentions envers toi. Un homme qui voulait t'épouser. Ah. Ça s'est vraiment passé? Ou je rêve? Hein? Hey! 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 Viens. Veux-tu arrêter avec ces larmes de crocodile? Tu vas arrêter ça? Arrête! Quoi déjà? Viens, je marie. Mère de Dieu! Hein? Rosa est comme ci, Rosa est comme ça, Rosa est rebelle. Au moins, je ne le fais pas en secret, je le fais ouvertement. Chaque jour, tu étais chez Dike. J'apprends les maths, j'apprends la biologie. Un plus un égale à ça, t'as écarté les jambes. Tiens! Tu n'as encore rien vu. N'importe quoi. Hey! Yaïo! Héberé, la gentille fille. Je venais justement chez toi. S'il te plaît, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je te le jure, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis levé et je me suis vu dans le lit avec toi. Je te le jure, j'ignore ce qui s'est passé. S'il te plaît. Héberé, s'il te plaît, je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je peux te jurer sur tout ce que j'ai de cher. J'ignore ce qui s'est passé. Héberé. Héberé, allez, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi simplement, Héberé. Héberé, attends, s'il te plaît. Je t'ai dit d'arrêter de me suivre. Arrête de me suivre. Je suis désolé, je suis désolé. Je sais que tu ne me crois pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Crois-moi, s'il te plaît. En fait, ce n'est pas la raison pour laquelle je te suis. J'ai appris que la liste d'admission est sortie. Est-ce que tu as regardé ton nom pour voir si tu as réussi? Et en quoi est-ce que cela te concerne? Non, en quoi est-ce que ça te regarde? L'admission qu'on m'a donnée n'est plus utile.
parce que la personne qui devait payer mes études n'est plus intéressée par ça. Alors merci à toi, Ticket. C'est bon. S'il te plaît, je suis désolé. Je suis désolé pour ça, s'il te plaît. Désolé. Ok, écoute. Je suis là. Je vais payer ta scolarité. Oui. Je vais payer ta scolarité pour pouvoir me racheter. S'il te plaît, même si tu ne peux pas me pardonner, il n'y a pas de souci. S'il te plaît, mais ne laisse pas. Ne laisse pas ton rêve de devenir une infirmière disparaître comme ça. Ne laisse pas tout se gâcher maintenant. S'il te plaît. Ça, c'est un nouveau modèle. Non, ça, c'est un nouveau modèle, Ticket. Ticket, je ne veux rien venant de toi. Je ne veux rien. Alors laisse-moi tranquille, Ticket. Laisse-moi. Tu as dit que tu as quelque chose à me dire. Alors, vas-y, je suis tout ouïe. Monsieur, vous avez raison. En fait, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Même les conteneurs de Dangote et ces cargaisons ne peuvent pas autant peser que ça. Mais vous savez que je marche à pied depuis ce matin. Donc, je suis fatiguée. J'ai oublié une partie de ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à manger à la maison. Ou alors quelque chose de glacé pour que je boive. Peut-être cela m'aidera à retrouver ma mémoire. Et je pourrais vous dire ce qui m'amène ici. Donnez-moi quelque chose à manger. Et aussi augmenter la puissance de la clim. Parce qu'on dirait que je transpire. Je ressens l'hiver à moi. Pardon, l'été. L'été. Je transpire. Ok. Donne-moi une seconde. S'il vous plaît, de l'eau glacée. N'oubliez pas. Bien. Glacée. Monsieur. Monsieur, ce genre de nourriture, c'est pas le genre de nourriture qu'on prépare au feu de bois. Oh. Je suis très sûre, je peux même mettre ma main au feu, que cette nourriture, on l'a préparée au gaz. Parce que quand je regarde cette nourriture, je regarde sa texture. Ça
Ça, c'est le genre de nourriture que ces gens utilisent pour faire la publicité à la télé. C'est ce qu'ils mangent et ils sont en pleine forme. Toujours en forme. En fait, ce genre de personnes, quand tu te places à côté d'eux, tu peux te mirer. Tu peux te regarder à travers eux. Ce sont les miroirs. Les riches, vous vivez bien. Ok. Alors, je t'écoute. Monsieur, maintenant, ma mémoire est revenue. J'ai retrouvé ma mémoire. Ok. Je t'écoute. Ebere, votre petite amie, elle est innocente. Quoi? Oga, ça vous choque? Oui, je peux lire l'expression sur votre visage. Vous êtes choquée. Elle est innocente. Rosa est celle qui a tout planifié. Oui. Comment? Rosa, mon amie, planifie et cherche moyen de détruire votre relation depuis longtemps. Elle était jalouse que vous vouliez envoyer Berry à l'école et qu'après l'école, vous alliez l'épouser. Donc, elle a tout fait pour vous détruire. Comment Rosa aurait pu faire une chose pareille à sa propre sœur de sang? Qu'est-ce qui l'aurait poussé à faire une telle bêtise? Iem, Oga, ne dites plus ça. Elles ne sont pas les sœurs. Elles ne sont pas les sœurs de sang. Elles ne le sont pas. Rosa cherchait un moyen de détruire Béré. Donc elle est allée voir Dike, planifier avec lui. Parce que Dike est un coureur de jupons. Donc quand elle a vu que Ibéré a changé Dike coureur de jupons à un nom bien, ça l'a irritée. Elle a donc utilisé l'ami de Dike pour la droguer. Afin de les filmer et de t'appeler de venir voir. Et ça aurait l'air comme s'il faisait quelque chose. C'est avec mon ami qu'ils ont planifié tout ça. Il m'a tout dit, ce qui s'est passé ce jour. Attends. Es-tu en train de me dire catégoriquement que c'est un vrai coup monté? Iemi Oga, je ne suis pas venue chez vous avec un chao. Je ne traite pas avec des animaux. Je ne le fais pas. Tu es sûr de ce que tu dis? Monsieur, je suis très sûr. Dans ce cas, je dois voir Ibéré le plus tôt possible. Oh oui, je dois le présenter, mes excuses. Ah, oh mon Dieu. Comment ai-je pu tirer des conclusions sans lui avoir donné la chance de m'expliquer quoi que ce soit? Dans une seconde, je vais prendre la clé de ma voiture. Laissez-moi d'abord finir de manger. Ebere, je suis vraiment désolé. Écoute, c'est exactement ce que m'a dit Charity. Quand elle s'est mise à m'expliquer tout ça, j'ai eu tellement de la peine. J'ai tellement eu honte de moi-même. J'aurais dû te donner le temps de tout m'expliquer. J'aurais dû être un peu plus prévenant. J'aurais dû te faire confiance. Tout cela est de ma faute. Je suis vraiment désolé pour ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Hein? Ebere. Il a raison. Ebere, c'est Rosa, mon amie, qui a tout planifié. En fait, c'est elle qui a demandé à Charles de mettre la drogue dans ta boisson. Afin que vous planiez. Afin qu'Osaï vienne vous voir. Mbok, s'il te plaît, pardonne-lui. Je me suis demandé pourquoi. Pourquoi Rose te ferait une chose pareille? Ebi, mon amour, s'il te plaît, je suis vraiment désolé. Je ne suis pas ton amour. Je ne pourrai jamais être ton amour. Sais-tu comment je t'ai supplié? Sais-tu comment je me suis tuée pour t'expliquer que j'avais été piégée? Tu ne m'as jamais écoutée. Tu m'as traitée comme une merde après tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as promis. S'il te plaît, laisse-moi. Mon amour, je suis désolée, s'il te plaît.
Ne fais pas ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne touche pas. Abasigipou, Ibala. Ne touche pas. Les sentiments que j'avais pour toi sont morts depuis longtemps. Ne dis pas ça. Il n'y a rien que j'ai gardé en moi pour toi. En dehors des souvenirs, des peines et des douleurs. Je suis désolée, mon amour. Laisse-moi. Pourquoi es-tu si méchante? Que t'ai-je déjà fait de mal dans cette vie, Rosa? Du moment où tu as mis pied dans cette maison, tout ce que je t'ai montré n'était que de l'amour. Pourquoi me rendre la pièce avec ta méchanceté? Si tu l'aimais tant, pourquoi ne pas aller vers lui et le lui dire? Pourquoi tu m'as droguée? Pourquoi? Tu n'es qu'un démon sous une forme humaine. C'est ce que tu es. Regarde ta vie. Regarde bien ta vie. Regarde ce que tu es devenue. Rosa. Rosa. Qu'est-ce que je n'ai pas fait en tant que mère? Malgré que tu ne sois pas ma fille. J'ai fait ce que n'importe quelle autre femme n'aurait pas fait pour toi. J'ai fait ce qui était en mon pouvoir pour que tu changes de vie. Mais tu as refusé pour mener cette vie de débauche, allant d'un homme à un autre. Donc ça veut dire que tu couchais partout, sans te protéger. Sans rien. Regarde-toi. J'ai honte de toi. Je n'aurais pas dû me comporter ainsi. S'il te plaît, donne-moi une chance. Donne-moi la chance de tout arranger. S'il te plaît. Ebere, s'il te plaît, écoute-le. Si tu étais à sa place, tu aurais fait la même chose. C'est dur de voir la femme que tu aimes dans le lit avec un autre homme. Oh Dieu, Kwanizi, s'il te plaît, pardonne-lui. Hein, ma fille? Maman, tu aurais dû voir comment il m'a traitée. Comme si je n'étais rien. J'ai tout fait pour l'expliquer. J'ai tout fait pour me justifier, mais je... Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, c'est pourquoi je te demande pardon. Je suis désolée. Je suis désolée. Écoute. Je ne veux pas courir le risque de te perdre. Je ne te veux plus comme petite amie. Je veux t'épouser, je te veux comme ma femme. Je veux prendre soin de toi. S'il te plaît. Je ne sais pas si je t'aimerai encore de la même manière. Je ne pense pas que tout ça sera encore pareil. Mon amour, je suis désolée. Laisse-moi. Excuse-moi. Anna Poutala. Désolée. Je ne peux pas y arriver. S'il te plaît, s'il te plaît. Biko. Je suis désolée. Je t'aime. Biko. C'est bon, ma fille. Ça va, ok? Ça va. C'est okay. Bon. Ça va. Est-ce que tu vas me lâcher? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est bon. C'est bon, c'est bon. Mmh.
Je n'arrive pas à croire que Rosa soit allée aussi loin à cause de la grosse haine qu'elle a pour toi. Hein? Mais Dieu merci. Dieu merci, je suis maintenant justifié. Je suis vraiment heureuse que la vérité a vu le jour. Mais je suis désolée de t'avoir accusée injustement. Tu sais, avec la situation, c'était dur de croire que tu n'avais pas la main dedans. Je suis désolée. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu sais, tout ça, c'est du passé maintenant, ok? Hein? S'il te plaît, c'est à moi de te demander pardon. Je suis désolé, ok? Je vois. Je peux voir que tu es une femme mariée désormais. Tu es fiancée. Alors, il n'y a plus d'espoir pour moi. Mais ça va. Ça va, ça va. Je suis content de te connaître. Je suis content que tu sois entré dans ma vie et que tu m'as rendu une personne meilleure. Tu as changé ma vie. Tu as fait de moi une personne meilleure. Si tu n'étais pas là, j'aurais perdu mon temps à jouer au grand garçon, à prétendre être dans la cour des grands, alors que je perds mon temps. Merci, merci. Que Dieu te bénisse, ok? C'est bon, pourquoi tu me remercies? Non, non, s'il te plaît. Merci, merci. Merci, merci. Dieu. Non, merci à toi d'abord. Merci Dieu. Non, merci à toi d'abord. Merci Dieu. Ok, remercie-moi, mais lève-toi. Alors, dis-moi, comment vont les préparatifs du mariage? Ça se passe comment? Dis-moi, parce que je dois faire quelque chose. Dis-moi n'importe quoi, je le ferai pour toi. Ok, laisse-moi acheter les baldaquins. Ah. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Je vais t'en offrir un, tu me connais très bien. Mazikeno, ah? Merci pour l'accueil. Non. Je suis vraiment honoré. Non. Tu sais comment on le dit chez nous, non? Un crapaud ne sort pas à la lumière du jour, tu sais, pour rien. Soit quelque chose est après lui, alors il est après quelque chose. Ah, canard. Tu sais, celui qui va sous la pluie sans chaussures doit être très, 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 très prudent. Hein. Très important. Et qu'on a quoi, tu sais, ok, à quoi? C'est voyez, très important. Oui. On ne peut rien voler. En fait, on n'a pas besoin de raconter toutes ces fantaisies. Bien sûr. Nous sommes trop vieux pour ça. Hein? Oui. D'allô. Oui. Mais c'est continue. Vrai, c'est vrai. Mais je vous assure, vous voyez, nous sommes assez vieux pour les fantaisies. Oh, Niago. Oui. Et là, ce qu'on dit, on le fait. Uh-huh. On devient celui qui dit. Ah, vas-y, continue. Non, nous sommes là pour une mission très importante. Mon fils s'est confié à moi et à mon frère. Qu'il a vu une belle pomme mûre et fraîche. Ah, oui, chevaux. Et il a l'intention de l'accueillir. Donc nous sommes ici pour vous consulter. Mazi Okechi. Oui, mon frère. Si je te dis que je ne comprends absolument rien à ce que tu es en train de dire, c'est que je te mens. Mais ce dont je veux savoir maintenant, c'est que de quelle pomme exactement êtes-vous en train de pointer? Vous avez une très belle pomme succulente chez vous. Et elle s'appelle Béret. C'est ça? C'est ça? Tu en as tout ça? Tu es d'accord. Et nous voulons la voir. Amouche! Naï! Allez, vas-y, fais venir notre fille Béret. Ok. Dis-lui qu'il y a des hommes ici qui requièrent sa présence. Alors, on avait raison. Idée. Ah. Ah, ok, il est là. Je te jure, qu'est-ce que... Au bécoulon, hein. Quel choix. On a volé. Qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, elle est vraiment belle. Oui, oncle. Est-ce que tu connais cet homme? Je le connais. Bien. Ils sont venus avec tous ces présents pour te demander un mariage. Devons-nous les accepter ou pas? Acceptez-les, oncle. Hey! Mais bravo! 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 Naï! Oh là là! Ok, alors on peut continuer. Eh bien, nous avons déjà... Oui, ça peut perdre du temps. Madame, mes salutations. Dallo. Bravo. Mon beau-fils,
Mon beau-fils. Je suis très content. Nous formons maintenant une famille. Hein? She's so good for nothing, girl. The only thing she know is how to flatter. She the jump from one man to the other. Her life is not in order. Hey, Rosa, slow down, no makoti, why I think I'm melon. Rosa, hey, Rosa, Rosa, oh my car, Rosa, she say good for nothing, girl. Everybody know Rosa, Rosa, hey, Rosa, Rosa, oh my car, Rosa, she say good for nothing, girl. Everybody knows, yeah, yeah. Abacha sana kama inoi, abasiegu amanuko. Hey Rosa, if any nezolezo, no ya poti fena. Na so ibi, na so ibi, oh. Oh, Rosa, hey Rosa, Rosa. Oh my car, Rosa, she say good for nothing, girl. Everybody know Rosa, Rosa, hey Rosa. Oh my car, Rosa, she say good for nothing, girl. Everybody know she say good for nothing, girl. The only thing she know is how to flatter. She the jump from one man to the other. Her life is not in order. Hey, Rosa, slow down, no makoti, why I think I'm melon. Rosa, hey, Rosa, Rosa, hey. Oh my car, Rosa, Rosa, she say good for nothing, girl. Everybody know Rosa, Rosa, hey, Rosa, Rosa, hey. Oh my car, Rosa, hey. Rosa, she say good for nothing, girl. Everybody knows, yeah. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Abusina bamadu, onanima bayai.
be trusted and who to thank the enemy. I'm for you and I don't lie. This is reality, trust nobody at all. I could be this, but do not tell. Just be an ever with you. This is reality, don't you trust nobody at all. Someone who I call a sister is my greatest enemy. Oh, I am a colonel. This is reality. Trust nobody at all. I could be this, but do not tell.